Donc on va commencer pour cet atelier autour de la question des nouveaux environnements alimentaires et changement des pratiques de consommation. Donc on formule 4 présentations, 15 minutes, top chrono, et on sera coupé si on est trop long. L'idée étant vraiment de partager les messages essentiels. Et donc on aura deux discutants, un discutant donc du côté de l'action, du côté des terrains, et puis donc Dominique Paturel qui viendra aussi à la fois conclure et mettre en perspective. Donc tout de suite, je passe la parole donc à Faustine pour la première intervention. À Alison, pardon. Bon, merci. Bonjour. Et moi, je vais démarrer cette petite présentation vraiment de manière vite. Oui, mais parce que on a pensé de mettre en place un peu une idée autour du concept de l'environnement alimentaire afin de pouvoir examiner ou au minimum discuter et quelles sont les nouvelles interfaces qui sont en train de sortir qui nous permettra un peu de faire des changements dans les systèmes alimentaires. Et alors, comme j'imagine que vous pensez, alors, et, merci, je passe un peu, je lis un peu mieux. Alors, à partir des années 70 et 80, il y avait beaucoup de pression sur le concept d'un consommateur, c'est-à-dire une personne, un individu qui devait faire des choses politiques avec ses choix d'achat. Il y avait toutes les boycotts qui sont sortis, c'est-à-dire il ne faut pas acheter certains produits auprès de certaines marques ou certaines entreprises et parce qu'ils ont eu des comportements mauvais vers différentes parties de leur système de provisionnement, etc. Il y avait après ça aussi une tendance vers le concept du boycott, c'est-à-dire il faut promouvoir, il faut acheter auprès de certaines entreprises parce qu'ils font des biens. Et alors il y a ce jeu toujours autour du concept qu'il y a un consommateur politique actif à l'intérieur de nos marchés pour les aliments et qui cet acteur soit rationnel. À partir de ça et finalement la première approche autour d'un concept de l'environnement alimentaire est sorti en 90, mais c'était pas avant 2007 que nous avons beaucoup d'études autour de ce concept de l'environnement alimentaire que je vais montrer ici un peu compliqué. Ça, c'est un schéma qui sort du dernier rapport du 2014, je crois, et du High Level Panel of Experts du Comité de sécurité alimentaire. Ils ont défini un système alimentaire, c'est-à-dire tout le système, tous les différents facteurs qui vont influencer la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire la filière, chaîne de valeur qu'on connaît un peu plus, c'est un peu plus simple de connaître parce qu'on parle toujours, voilà, de les systèmes de production, la distribution, la transformation, etc., les marchés. Et aussi les résultats qu'on souhaite, c'est-à-dire sécurité alimentaire en tant que disponibilité, accès et utilisation, et aussi des impacts socio-économiques, environnementaux et sur la santé et la nutrition des citoyens, en fait. On parle ici des citoyens. Et à l'intérieur de ça, il y a des comportements de consommateurs que nous savons qu'il y a des comportements des consommateurs dans leur choix, comment ils font pour décider d'acheter, de manger quelque chose ou pas. Le régime alimentaire, qui c'est un peu l'interface entre le corps humain et les choix dans le marché. Et finalement, c'est sorti ce concept d'environnement alimentaire, et défini ici donc 4 axes, disponibilité et accès physique, proximité, accès économique, prix, promotion, publicité et information, et la qualité et sécurité alimentaire des produits même. En tant que cadre pour parler du en espace de rencontre. Pour nous, nous proposons effectivement, et ce qu'on va illustrer mes collègues, elles vont illustrer, est-ce que pour nous, ce genre d'environnement, c'est l'interface entre les comportements des individus alimentaires et ce système plus large qui inclut la recherche, qui inclut les politiques publiques, qui inclut les différentes institutions de la société, qui crée un système alimentaire qui nous permet de manger bien et sain
et durable. Donc, nous avons deux hypothèses qu'on va interroger un peu, et qui sont l'hypothèse que quand il y a des nouvelles interfaces, quand ils émergent, et il y a des liens avec l'alimentation durable et locale. C'est-à-dire, ces interfaces redonnent du pouvoir aux consommateurs qui favorisent le changement des pratiques vers une diète plus durable. C'est-à-dire, comme c'était conçu jusqu'à maintenant, ce concept d'environnement, et un peu de ce que nous avons vu ce matin, avec des cartes, des maps, du positionnement, plutôt la disponibilité des aliments dans certaines zones d'une ville ou d'un endroit géographique, on essaie de focaliser plutôt sur les interactions entre les personnes à l'intérieur de ces environnements, parce que cela nous permet de voir les possibilités, les nouveaux dispositifs qui sortent, qui peuvent aider au changement des pratiques. Et je passe la parole. Merci. Faustine Régnier, donc moi je vais intervenir rapidement, quand j'approche des 4, tu me dis, sur ces premiers volets, enfin sur cette première interface qui peut conduire à une évolution des pratiques, voire des environnements alimentaires, qui est tout ce qui relève de ces nouveaux outils numériques. En partant de paradoxes, comment est-ce que des outils numériques qui sont des outils techniques peuvent être des leviers efficaces pour modifier des pratiques alimentaires? Je rappelle que dans le domaine de l'alimentation, on relève du domaine du sensible. On parlait des courses tout à l'heure sur Amazon. Il y a un apparent paradoxe à combiner cette technique du numérique et le domaine du sensible de l'alimentation. Et puis, des outils qui sont virtuels, qui échappent à des territoires, comment est-ce que ces outils numériques peuvent aider à reconnecter l'alimentation à un territoire? Pour autant, si on passe outre ces paradoxes, on voit bien qu'on est rentré dans la société du numérique et que dans le domaine de l'alimentation, les individus s'équipent ou en tout cas disposent de plus en plus d'outils qui leur servent pour différentes dimensions de l'alimentation. Tout d'abord, c'est parce qu'ils nous occupent aujourd'hui tout ce qui relève du suivi de leur prise alimentaire. Ensuite, des dispositifs qui leur permettent d'avoir accès à des informations de plus en plus nombreuses sur les produits alimentaires, donc soit sur leur composition nutritionnelle, soit, ce qui est plus en rapport avec la thématique d'aujourd'hui, ce qui relève de la provenance des produits. Et puis, tous ces dispositifs numériques qui leur permettent d'avoir accès à des produits. Je pense notamment à toutes les plateformes de distribution en circuit court qui ont été évoquées ce matin. L'alimentation durable émerge doucement dans ce domaine du numérique. Ce sont des outils qui sont plus récents que d'autres outils numériques liés à l'alimentation. Je vous renvoie ici à l'exemple, à la petite application étiquetable dont vous avez une présentation dans le hors-série Village en détail. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une application qui a été créée en 2017, qui est une application collaborative de cuisine durable et qui a développé très récemment de nouvelles fonctions de territorialisation, avec une géolocalisation par exemple des commerces locaux, des restaurants engagés dans une alimentation durable. Donc on voit très bien comment quelque chose là émerge sur le terrain. Ce qui est intéressant également dans ces outils, en dehors de leur rapidité, de leur praticité, c'est qu'on a dans un même outil un accès aux différentes dimensions de la durabilité de l'alimentation. Deuxième point maintenant sur lequel je voudrais insister rapidement, c'est on a des outils numériques, mais quels en sont les usages et quels en sont les effets qu'on peut commencer à repérer dans les pratiques alimentaires notamment. Ce que montrent les recherches sur le numérique, c'est qu'on a des usages et des perceptions extrêmement différentes, et notamment extrêmement différentes en fonction des différents groupes sociaux auxquels on a affaire, et que c'est moins l'outil qui compte que l'usage qui va en être fait et la perception que les individus vont en avoir. J'y reviendrai dans une seconde. Ce qu'on voit très bien également, c'est qu'on a des différences sociales extrêmement fortes et que ce sont notamment les membres des catégories populaires qui sont les plus réticents à utiliser ces outils dans le domaine de l'alimentation. Quels effets sur les pratiques? On évoquera peut-être tout à l'heure des effets possibles sur les environnements, en tout cas sur les pratiques alimentaires. On a toute une série d'effets directs qui conduisent à donner à ceux qui sont le plus activement investi dans ces outils, un pouvoir accru en matière de consommation. On voit très bien comment ces outils aident les individus à faire des choix alimentaires.
en situation d'achat, par exemple. Ces outils sont très souvent utilisés. Ça les aide à acquérir des savoirs, à acquérir des savoir-faire. Et également, ce sont des outils qui les accompagnent dans les changements de pratiques alimentaires auxquels ils peuvent procéder. Donc, ce sont des changements qui peuvent être coûteux. Je rappelle qu'on travaille sur le domaine de l'alimentation et qu'on ne change pas ces pratiques comme ça. Donc, ça les accompagne et ça les aide à routiniser des changements. Un dernier point très, très rapidement, c'est que ce sont également des outils qui permettent des échanges avec des réseaux extrêmement actifs. Des réseaux extrêmement actifs. Autre point, des effets indirects également, c'est important, c'est moins mesurable, mais je pense que ça n'est pas négligeable. Ce sont des outils qui aident aussi à sensibiliser les individus, les consommateurs, à toutes les dimensions durables de l'alimentation, et notamment les individus qui sont les moins experts. Donc c'est moins massif, mais voilà, il faut le souligner. Une minute pour essayer de soulever quelques questions qui se posent en termes d'articulation entre des enjeux sociaux que l'on peut voir et les enjeux environnementaux liés à l'alimentation. Avec cette question, je suis sociologue et qui me préoccupe de la marginalisation d'une partie des catégories populaires qui sont les plus réticents, je le disais, à l'utilisation de ces outils numériques dans le domaine de l'alimentation, qui sont également plus souvent moins sensibles. Appréciez la nuance. Aux arguments environnementaux, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, mais c'est quelque chose qui sera moins mis en avant. Et que dans ce contexte-là, il me semble que le territoire, la notion de territoire même est un bon levier, et c'est une notion intéressante, et que notamment le désir de consommer local par identification aux producteurs, par souci de défendre l'économie d'un territoire, et c'est là que la notion de territoire est intéressante, me semble constituer un bon levier. Puis dernier point, je n'ai pas de réponse, mais dans quelle mesure les pratiques conduisent à changer l'environnement et vice-versa, je pense qu'on pourra le discuter tout à l'heure. Deuxième exemple, le cas des marchés, enfin des circuits courts participatifs, avec l'exemple d'ici c'est local, qui est une démarche qu'on a créée avec une collectivité, donc la ville de Grabelle au nord de Montpellier. C'est donc un marché qui a été créé en 2008, d'abord pour répondre à un délitement du lien social dans une cité dortoir. Un marché donc avec l'idée de travailler plutôt en circuit court, mais pas forcément simplement en bio ou marché de producteurs, pour avoir une offre plus variée. Mais avec tout de suite une volonté quand même de gestion collégiale, donc partagée entre la municipalité, des consommateurs, des producteurs, des artisans, des commerçants qui font finalement, qui construisent, hein, qui constituent cette offre alimentaire. Donc avec là justement une interface nouvelle entre des diètes et donc un environnement, enfin une disponibilité de l'offre. Hein, donc cette idée justement de gestion à plusieurs. Gestion à plusieurs qui pour autant n'a pas suffi finalement. 2010, une méfiance de certains consommateurs par rapport à l'origine et la qualité des produits qui a emmené justement le collectif à aller plus loin en expérimentant un système d'étiquetage avec une délibération sur c'est quoi un produit local et durable avant justement pour pouvoir mieux l'étiqueter en fonction aussi en fonction de ce qui pouvait être accepté ou pas, de ce qui pouvait être acceptable ou pas justement localement, mais avec l'idée pas d'information sans contrôle, mais sans penser justement à un contrôle par tiers. On s'est inspiré des systèmes de garantie participatif et donc il y a eu l'idée d'avoir un contrôle local participatif. L'intérêt, c'est que le maire donc, avait confié le marché donc, à ce collège, enfin ces collèges de gestion, donc avait voulu justement que les consommateurs qui y participent soient des consommateurs ordinaires, entre guillemets, des représentants justement des gens qui, ces fameux 83% qui vont au supermarché, mais donc, et qui continuent d'ailleurs à y aller, mais qui font partie justement aussi d'un dispositif qui va les impliquer, partager avec eux un certain nombre de connaissances. Ces effets, donc ici c'est local, donc sur le marché de Grabelle, c'est aujourd'hui un dispositif qui se déploie en France et notamment donc on pourra avoir justement dans le débat un témoignage puisque avec la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, donc il se déploie sur tout le département de l'Ardèche, donc en particulier avec ce partenariat donc Chambre d'agriculture, on l'a aussi dans une vingtaine de territoires aujourd'hui. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette interface participative qui intègre, qui permet justement ces apprentissages de la part de consommateurs, donc justement pas sensibilisés au départ à l'alimentation durable, tout en restant un système à la fois pratique et donnant des garanties par rapport à une offre locale qui respecte un certain nombre de critères de durabilité qui sont définis collectivement. C'est aussi ces marchés donc permettent. Et ce qui joue beaucoup, c'est l'influence, le conseil entre consommateurs qui,
par là aussi se valorisent, hein, ces formes de valorisation de soi, de donner des conseils à d'autres et de faire venir les gens au marché, de faire venir ses voisins, les copains du club de couture, enfin tous ceux qu'on fréquente justement dans la vie ordinaire, parce qu'on sait qu'on y participe. Et puis c'est aussi une forme de contrôle social, donc avec justement un achat qui est orienté. Donc on a plusieurs couleurs pour indiquer le système d'étiquetage, c'est plusieurs couleurs, du vert, du violet, de l'orange, qui indiquent des produits qui peuvent être en vente directe, en circuit court ou issus de circuits plus longs, donc en violet. Mais donc on n'est pas rouge, on n'interdit pas, on montre justement la complémentarité de l'offre sur un marché. Et donc, en tout cas, cette idée, mais en même temps, c'est du violet, mais il y a une forme de contrôle social qui fait qu'on va aussi pouvoir d'autant plus se valoriser qu'on va au moins avoir dans son panier un certain nombre de produits orange et vert qui correspondent à des circuits courts et qui vont contribuer aussi à l'économie locale. Donc, par ces mécanismes sociaux qu'active finalement une interface participative, on a pu constater un changement des pratiques alimentaires chez la majorité des interviewés, avec justement en allant vers du plus durable, du plus responsable, mais c'est-à-dire ce qu'on a vu avec un achat plus important de fruits et légumes, c'est aussi des changements qui se reportent sur des achats en grande distribution, c'est-à-dire que les gens font plus attention à l'origine des produits, y compris dans la grande distribution, essaient de regarder un peu aussi les cahiers des charges derrière, c'est quoi la durabilité, y compris là justement chez des catégories socio-professionnelles, donc pas ceux qui sont mis en avant justement, Grégory reviendra là-dessus, donc avec cette idée justement, pas forcément chez ceux qui sont forcément éduqués au départ. Donc ces deux exemples et cette idée de travailler sur les interfaces, en particulier certaines interfaces, nous, ce qui nous intéresse, c'est clairement, trois sociologues, hein, c'est pas, mais en même temps, on s'est dit qu'on avait un peu oublié les questions du pouvoir, et donc c'est l'idée de réintroduire ces idées de pouvoir, de rapport de force, et de voir comment des interfaces vont modifier ces relations de pouvoir entre, en particulier donc entre consommateurs et les acteurs du système alimentaire. C'est aussi donc ce qui nous intéresse, c'est de suivre, et ce n'est que le début. Donc des trajectoires de consommateurs au contact de ces nouvelles interfaces avec les systèmes alimentaires, en particulier des interfaces qui vont rentrer dans ce qui va s'appeler, on va le revoir, une démocratie alimentaire. C'est l'idée aussi de voir comment le pouvoir d'agir ici sur les systèmes alimentaires va se coupler avec le pouvoir d'influencer ou de donner du conseil à ses pairs, donc à ses collègues, à ses amis, à ses voisins, mais aussi d'être influencé, donc de comprendre justement aussi comment il y a des réseaux de conseils qui se jouent entre consommateurs et qui vont contribuer à faire changer les pratiques d'un plus grand nombre. Et puis une piste d'action, c'est justement de développer ces interfaces pour la démocratie alimentaire dans un contexte où on voit aussi quand même pas mal de démarches, alors dans des projets alimentaires territoriaux, mais pas que, hein, dans un certain nombre de démarches alimentaires de territoire avec une gouvernance plutôt de type descendante. Je vous remercie. On va passer tout de suite à la présentation d'après. Alors, je me rends compte que j'ai inversé un peu le programme. Excusez-moi, je sais qu'on n'a pas forcément... Mais c'est bien la deuxième présentation. Donc, vous c'est bon. Hein, c'est juste la première qui avait été inversée. Je m'en excuse. Donc, on va garder l'ordre juste... Donc, ça sera toi après, Nicole. Merci, Yona. Donc, je suis Caroline Méjean, je suis directrice de recherche à l'INRA, je suis épidémiologiste en nutrition publique. Et mon binôme de présentation est Simon Vontron, et doctorant en géographie à l'UMR Innovation. Donc on va vous parler du rôle du paysage alimentaire sur la durabilité des comportements. Ce n'est pas une présentation de résultats parce qu'on est en train d'analyser les données de notre étude, mais plutôt vous expliquer les questions qu'on se pose et les méthodes qu'on utilise pour y répondre. Donc, je commence par un petit cadre conceptuel, moins compliqué que celui du HLPE. Donc, pour vous rappeler que ce qu'on choisit de manger, en quelle fréquence, en quelle quantité, dépend pas seulement, évidemment, des facteurs physiologiques, mais aussi de nombreux facteurs individuels et environnementaux. Et parmi eux, l'environnement alimentaire physique, qui a plusieurs dimensions, dont le paysage alimentaire, l'offre alimentaire disponible, les différentes facettes des aliments, comme la qualité ou le prix, influencent les comportements alimentaires des populations. Alors, l'intérêt grandissant pour les facteurs d'environnement physique
vient de l'augmentation historique des prévalences d'obésité, enfin l'intégralisant en santé publique, je voulais dire, vient de l'augmentation historique des prévalences d'obésité sur les dernières décennies, ce qui a conduit, donc Alison a cité le rapport du HLPE, mais il y a aussi des rapports de l'OMS, à proposer comme levier d'action l'environnement alimentaire, comme levier d'action pour améliorer les comportements alimentaires vers des comportements plus sains et plus durables. Et d'ailleurs, de plus en plus de villes donc, se saisissent de ces questions d'environnement alimentaire, notamment de paysage alimentaire, pour améliorer les comportements de leur population. Donc le paysage alimentaire, il se définit comme l'ensemble des lieux où il est possible de se procurer de l'alimentation. Il s'agit donc, vous le voyez, de commerces alimentaires, de restaurants, de fast-food, mais aussi de lieux de distribution de l'aide alimentaire ou encore de jardins communautaires. Et aussi de lieux d'approvisionnement temporaire comme les marchés ou encore les food trucks. Donc, au-delà du concept de paysage alimentaire, du concept physique, hein, d'environnement physique, ce paysage, il ne se limite pas seulement à cette dimension, mais aussi à la façon dont les populations vivent ce paysage, le perçoivent. Donc, ce paysage est donc finalement un construit social, en plus d'un environnement physique, et aussi un espace qui est régulé, bien sûr, par les politiques, et notamment les politiques d'aménagement. Donc pour mesurer le paysage alimentaire, il existe des indicateurs géographiques, par exemple l'accessibilité à des commerces alimentaires, leur proximité ou encore la densité de commerces alimentaires sur un territoire. Il y a d'autres indicateurs qui sont plutôt intra-magasin, par exemple ça peut être la longueur des étagères pour un produit donné dans un magasin ou le type de magasin. Alors la littérature sur la relation entre les indicateurs de paysage alimentaire et les comportements montre des résultats très variables. Si on prend l'indicateur qui est d'alimentation qui est le plus utilisé, qui est la consommation de fruits et légumes, on voit globalement dans la littérature qu'il est que les indicateurs d'accessibilité, de proximité ou de densité sont plutôt associés positivement à la consommation de fruits et légumes. Plus vous avez de supermarchés, plus vous avez de commerces alimentaires, plus vous consommez des fruits et légumes. Pour les fast-foods, c'est plutôt la densité de fast-food autour de la population qui influence positivement la consommation de fast-food. Alors, il y a d'autres indicateurs de consommation qui sont utilisés, mais c'est plus anecdotique, et c'est essentiellement cela. Et puis, quand on s'intéresse aussi à l'alimentation, on s'intéresse aussi à l'état nutritionnel des populations, donc à l'obésité et à l'indice de masse corporelle. Alors là, des revues récentes montrent des résultats assez paradoxaux sur la relation entre paysage, indicateurs géographiques et état nutritionnel. Par exemple, les études, il y en a pas mal sur le lien entre la disponibilité en supermarché et l'obésité, montrent que 72% de ces études montrent des résultats non significatifs. Et très peu, et le reste est soit une relation positive, soit une relation négative. Et puis, les études qui travaillent sur la disponibilité en fast-food montrent aussi que 67% ont des résultats non significatifs et seulement 27% montrent un résultat positif dans la relation entre la disponibilité en fast-food et le risque et la prévalence d'obésité. Donc on voit des résultats très variables. En France, seulement 3 études ont été réalisées à Paris et n'ont montré aucune relation entre l'accès et la distance au commerce alimentaire, que ce soit des supermarchés, des boulangeries, des fast-foods, et les comportements alimentaires ou encore l'obésité. Mais bon, elles ont été réalisées dans le contexte quand même spécifique de la capitale, où par exemple le recours aux hypermarchés de périphérie est quand même assez limité. Et donc les résultats sont difficilement extrapolables au reste du territoire.
Donc, en résumé, la littérature montre de nombreuses limites dans les études qui ne permettent pas de conclure à des effets entre le paysage alimentaire et les comportements. Et ce qui est noté, c'est que souvent, dans les études, sont étudiés sur un seul groupe d'aliments spécifiques, comme les fruits et légumes ou le fast-food. Et donc, on pense qu'il faut se tourner vers des indices globaux du régime alimentaire. Et puis, aucune étude ne travaille sur l'impact environnemental des comportements alimentaires, alors que c'est une dimension clé, évidemment, de la durabilité de l'alimentation. Dans les études aussi, souvent, un seul aspect du paysage alimentaire est étudié, par exemple la proximité ou la densité. Donc, ce qui est noté, c'est qu'il faut aller vers des mesures composées du paysage alimentaire et aussi inclure les mesures de perception du paysage alimentaire. Souvent, dans les études aussi, l'environnement résidentiel est étudié, mais pas le reste, alors qu'on s'aperçoit vite que les personnes font leur approvisionnement alimentaire aussi autour de leur lieu de travail ou sur le trajet entre leur lieu de travail et l'environnement et leur lieu de résidence. Donc, il y a une nécessité de prendre en compte ces différents lieux d'activité pour les populations pour estimer la relation entre paysage alimentaire et alimentation. Et enfin, la plupart sont faites dans des contextes nord-américains et australiens, donc qui sont assez spécifiques. Il y en a peu, très peu en Europe du Sud, notamment. Et aussi, la plupart des études prennent en compte le paysage alimentaire via les supermarchés, les fast-foods, et très peu étudient des lieux d'approvisionnement potentiellement durables. Je pense aux AMAP ou encore aux marchés producteurs. Donc, c'est très, 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 très peu étudié. Et donc, dans ce contexte et dans le cadre du projet sur Food Foodscape qui a été financé par la Fondation Agropolis, on a réalisé l'étude Mon Panier, qui est une étude transversale sur un échantillonnage par quota sur 500 ménages de la métropole de Montpellier. L'objectif étant d'étudier les associations entre les caractéristiques géographiques du paysage alimentaire et la durabilité des comportements d'achat de la population. Et cela dans le but d'améliorer la durabilité du système alimentaire de la métropole de Montpellier. Et je passe la parole à Simon. Merci. Du coup, la première chose qu'on a commencé par faire, c'était déjà de regarder où est-ce qu'il y avait des commerces à Montpellier et donc de reconstituer une base de données commercial, notamment alimentaire, sur le territoire montpelliérain. Alors là, je vous ai mis un exemple, c'est un exemple parmi 20 000 autres qu'on a pu réaliser, juste de l'accessibilité piétonne au commerce vendant des fruits et légumes, puisqu'on en a quand même pas mal parlé déjà des fruits et légumes sur Montpellier. Alors là, c'est juste la ville de Montpellier, et ce que ce type de carte nous permet de voir, c'est une contribution déjà assez importante de la GMS, notamment des supermarchés, à l'accessibilité aux fruits et légumes sur la ville de Montpellier. Une contribution, en revanche, assez faible des marchés qui, finalement, sont déjà implantés dans des zones où il y a déjà un tissu de petits commerces assez important. Donc, ce type de travaux d'analyse spatiale, c'est intéressant en termes de planification urbaine pour regarder dans quel quartier sont implantés ces commerces. Et effectivement, ce qu'on voit à Montpellier, c'est que finalement, les quartiers où il y a la plus forte densité de commerces, la plus grande diversité, sont finalement les quartiers peut-être les plus précaires de Montpellier. Et donc ça, c'est un premier aspect. Mais pour autant, ça ne nous indique pas dans quelle mesure les habitants peuvent pratiquer ces commerces et peuvent les utiliser. Parce qu'ils peuvent avoir des freins économiques, culturels, sociaux, le fait de se sentir ou moins plus ou moins à l'aise dans le quartier. Et donc, c'est pour ça qu'on a mené cette étude, d'avoir une approche aussi ménage à l'échelle individuelle. Et donc, l'idée de ce travail, c'est de regarder donc, les paysages alimentaires, donc, comme on a parlé, donc, concrètement, les habitants, les ménages, autour de chez eux, autour de leur lieu d'activité, là où ils vont travailler, où ils vont faire du sport, autour de leur trajet quotidien, à quelle offre alimentaire ils sont confrontés et dans quelle mesure on trouve un lien, on peut lier statistiquement ce paysage au lieu d'achat qu'ils fréquentent réellement. Donc ça, c'est un premier travail qu'on a réalisé, enfin qu'on est en train de réaliser. Et donc, pour au-delà de cet aspect factuel statistique, on essaye de comprendre cette relation-là, de pratique de leur paysage, en menant en complément des entretiens avec un sous-échantillon de nos enquêtés, et aussi de recomprendre l'évolution des paysages et donc de voir dans quelle mesure leur pratique évolue
de manière plus ou moins concomitante avec l'évolution de l'offre commerciale à laquelle ils sont confrontés au quotidien. Et donc, ça, c'est un premier volet, mais l'idée principale, finalement, enfin, l'un des objectifs principaux de nos travaux, c'est finalement de comprendre cette relation entre l'impact, finalement, que peut avoir le paysage alimentaire sur la durabilité, la qualité nutritionnelle des comportements alimentaires. Et donc, quand je disais durabilité et qualité nutritionnelle, donc voilà, c'est ça. On regarde le coût, on regarde la qualité nutritionnelle et l'impact environnemental. Ce sont ces trois facteurs. Et dans quelle mesure des facteurs individuels peuvent ou non conforter ou atténuer l'impact des paysages sur ces comportements. Et donc, alors, en quoi notre étude, elle est originale? Alors, déjà, ce que disait Caroline tout à l'heure, c'était qu'effectivement, souvent, on ne traite qu'un petit point de ces relations. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de traiter de manière plus globale, à la fois durabilité économique, environnementale et nutritionnelle. Et en même temps, on travaille à partir d'éléments déclaratifs des individus, donc à travers un questionnaire, mais aussi de données qui sont objectivées. Parce qu'on a pendant, sur les 500 ménages qui nous ont donné, en fait, ils nous ont finalement donné pendant un mois tout leur déplacement, leur achat alimentaire, à travers un carnet qu'ils ont complété pendant un mois et les tickets de caisse qu'ils ont pu nous fournir pour objectiver finalement leurs dépenses réelles alimentaires. Je fais vite. Donc, les trois grands types d'indicateurs donc, qu'on essaye de mesurer derrière. Donc, d'un point de vue économique, évidemment, c'est assez facile. On prend le coût du panier sur un mois d'achat. Concernant la qualité nutritionnelle, donc, les nutritionnistes qui travaillent avec nous ont développé un indicateur de qualité nutritionnelle de l'ensemble du panier d'achat. Et concernant la dimension environnementale, on regarde d'une part l'impact environnemental du panier en utilisant les données, les tables de l'ADEME sur l'impact environnemental des aliments, mais aussi les trajets qui sont parcourus par les individus pour aller faire leurs courses. Alors, je vais aller très rapide parce qu'en fait, j'ai déjà fini. C'était pour vous parler du profil des participants. En gros, ce qui est intéressant à retenir, c'est que finalement, on a un profil dans nos participants qui, en termes de revenus, est assez similaire à la distribution des revenus dans la population montpelliéraine. En revanche, sur d'autres critères, notamment la structure du foyer ou l'âge, on a certaines catégories de la population qui sont plus ou moins sur- ou sous-représentées. Donc, ce qui va devoir nous amener à redresser légèrement nos travaux. Et surtout, la limite... on retrouve finalement dans notre étude, dans notre échantillon, la même limite qu'on retrouve dans toutes les études de comportement alimentaire, c'est que finalement nos participants sont sous-représentés finalement des personnes avec un faible niveau d'éducation et ainsi que les chômeurs. Je passe voilà dessus sur les principaux lieux d'approvisionnement. Et ça c'était pour faire le lien sur l'accessibilité. On a quand même beaucoup de gens qui utilisent la voiture, donc finalement, ça correspond à 81%, ça correspond à peu près au nombre de personnes qui possèdent réellement une voiture sur la métropole de Montpellier, hein, puisque l'INSEE dit 77%. Et on regarde aussi s'ils ont la possibilité de faire pousser leurs légumes, notamment leurs fruits et légumes, et donc ce qui permet au groupe suivant de parler. Super transition. Bravo. Bravo. Accélération. Oui, je suis vraiment désolée, on est obligé d'un peu de tenir le temps. Donc, Nicole Darmon et Pascal Chérum. Donc, bon. Ça, c'était durable. Bonjour. Tu nous mets le petit papier pour. Donc bonjour à tous. Donc on va faire cette présentation à deux voix. Donc Pascal Chérum de l'UMR Innovation à Montpellier, géographie, et Nicole qui prendra donc le relais rapidement sur la partie nutrition. Donc je te présenterai. Voilà. Donc on va vous parler de jardins collectifs et de leur impact sur les comportements alimentaires.
Donc, je vais commencer par une rapide présentation de ce que sont les jardins collectifs urbains qui se développent, qui sont en plein essor hein, dans toutes les grandes et petites villes du Nord. Donc, par jardin collectif urbain, on entend des jardins cultivés par un ensemble de citadins dans un espace collectif qui peut être soit privé, soit public, et en particulier en opposition donc aux jardins qu'on peut trouver dans les habitats individuels. Donc schématiquement, ils se divisent en deux grands types de jardins, les jardins familiaux et les jardins partagés. Les jardins familiaux qui ont souvent une optique de production un peu plus importante que les jardins partagés pour les jardiniers, qui sont issus des jardins ouvriers du 19e siècle et qui se présentent sous la forme donc de terrains divisés en parcelles d'une centaine de mètres carrés qui sont affectés à des jardiniers qui les louent, donc soit à une association, à une ville. Donc, jardins familiaux d'une part et jardins partagés qui sont, eux, une forme plus récente, qui sont issus des community gardens nord-américains du XXe siècle, qui sont apparus en France dans les années 2000 et qui, eux, se présentent sous la forme d'une parcelle unique qui vont être cultivées collectivement par des jardiniers d'un quartier. Ils sont parfois redivisés en mini-parcelles, comme vous pouvez le voir sur cette photo, et qui, dans leur définition, ont vraiment un objectif de développer les liens sociaux entre les jardiniers. Donc, ces jardins collectifs urbains, ce sont des espaces assez ordinaires, hein, on les rencontre dans nos villes depuis le 19e siècle, mais ce sont aussi des espaces d'innovation et qui sont en pleine évolution. Donc dans leur forme spatiale, on l'a vu, dans leur forme de gouvernance aussi, avec des citadins qui s'impliquent de plus en plus dans la gouvernance de ces jardins, et puis aussi dans le profil des jardiniers, puisqu'en fait, contrairement à ce qui se produisait il y a encore une dizaine d'années, on rencontre dans ces jardins des jardiniers relativement jeunes, avec par exemple pour Montpellier une moyenne d'âge dans les jardins partagés qui va être autour d'une quarantaine d'années. Également une évolution dans les catégories socioprofessionnelles de ces jardiniers, qui ne sont plus seulement des retraités et des ouvriers, mais aussi des actifs, des personnes appartenant principalement aux catégories socioprofessionnelles intermédiaires, voire supérieures. Alors, quand on interroge ces jardiniers sur leur motivation, en fait, ils nous parlent beaucoup de plaisir de faire pousser soi-même ses légumes, De plaisir d'être dans la nature, de besoin de retrouver la nature, d'être dehors, de retrouver un rapport physique à la terre et un lien avec le végétal. Alors, bien sûr, il y a toujours une intention de production qui est plus ou moins importante, qui va être plus importante souvent dans les jardins familiaux, donc où les parcelles sont plus grandes. Mais la production n'est souvent pas la principale motivation qui est avancée par ces jardiniers. Et on est sur la notion de ressourcement, de sérénité, de lien social aussi, en particulier dans les jardins partagés, avec quelquefois une forte aspiration qui est exprimée à un changement social, de contribuer à prendre soin de son environnement, de participer à construire une autre société et de se réapproprier en partie son alimentation. Donc ce sont aussi des espaces où les jardiniers expérimentent des pratiques agroécologiques, alors qu'on sait que les jardiniers ont été des gros utilisateurs de pesticides dans les dernières décennies. Donc les jardiniers, ils travaillent souvent le sol de manière manuelle et de plus en plus, ils le laissent en herbe pour, comme ils disent, laisser faire la nature et conserver un équilibre entre la faune et la flore, qui est un point qui est vraiment très important, récurrent. Ils utilisent souvent les méthodes de la permaculture de plus en plus. Donc sans engrais de synthèse ni de produits phytosanitaires, avec des amendements type fumier de cheval, compost, corne de broyer, engrais verts. Et dans une étude donc qu'on a réalisée récemment sur Montpellier, en fait, on a pu mettre en lien ces pratiques agroécologiques avec des comportements d'achat. Donc, achat des jardiniers les plus agroécologiques sur des marchés en circuit court et parfois donc avec une alimentation, enfin, avec des achats complètement avec des produits qui étaient issus de l'agriculture biologique. D'où l'hypothèse que en fait, les jardiner en jardin collectif pourrait permettre de repenser ces pratiques alimentaires. Donc on a testé cette hypothèse dans une première étude pilote qui a été réalisée dans des jardins de pieds d'immeubles dans les quartiers nord de Marseille, dans le cadre d'une ANR sur les jardins urbains. Et on était donc là
dans des quartiers défavorisés avec des habitants de faibles revenus. On a analysé leurs pratiques de jardinage, la perception des jardinières, parce qu'en fait il s'agissait de jardinières, quant à leur production et à leur alimentation, et on a également analysé leurs approvisionnements alimentaires. Donc en termes de motivation, on a retrouvé dans ces quartiers, dans ces jardins marseillais, les mêmes motivations qu'on peut retrouver à Montpellier ou dans d'autres travaux, dans d'autres villes, dans d'autres pays. Donc avec des motivations spontanément invoquées sur le plaisir, le besoin de nature, le besoin de toucher la terre, d'être, de rencontrer la dimension lien social qui est extrêmement importante, le besoin de bouger aussi et de faire du sport. Et finalement, produire est rarement la motivation déclarée dans ces quartiers défavorisés. En ce qui concerne les pratiques et les perceptions, on est donc toujours sur des pratiques de jardinage sans pesticides. Et là, vraiment, dans un objectif santé, on est donc dans l'apprentissage d'un jardinage naturel qui va favoriser les relations entre les jardinières, qui se partagent la récolte très souvent, on donne une partie. Et finalement, une production qui est considérée vraiment comme de qualité supérieure au niveau du goût, qui rappelle souvent les saveurs liées à l'enfance, des fortes valeurs santé aussi associées à ces aliments, qui génèrent fierté et estime de soi. En effet, les légumes du jardin font l'objet d'une attention vraiment toute particulière en cuisine, et les cuisiner devient pour ces jardinières vraiment un acte extraordinaire. Donc une forte valeur sociale, culturelle et symbolique qui est donnée au jardin et aux produits du jardin, pour faire le lien avec ce qui avait été dit ce matin. Donc on est dans des aliments qui ont du sens. Je vais passer la parole à Nicole. Merci. Alors, moi, je vais parler de la partie quantitative de cette étude JASSURE. JASSURE, c'était un gros projet d'ANR, mais on a fait une partie à Marseille, dans ces quartiers nord. Marseille ayant une spécificité en termes de jardins associatifs, qui est que la carte des jardins associatifs se superpose à la carte de la pauvreté, ce qui est quand même assez spécifique à Marseille. Et donc, dans cette étude, on avait utilisé déjà la même approche que celle qui a été présentée par Caroline et Simon précédemment, c'est-à-dire de demander aux gens de garder pendant un mois leurs achats alimentaires, les tickets de caisse, d'annoter les tickets de caisse si c'était nécessaire. Ça permet de savoir ce que les gens ont acheté, combien ils l'ont payé et où ils l'ont acheté. Donc là, on avait comparé les achats des foyers des jardinières, des femmes qui allaient dans ces parcelles de jardin, à des achats de femmes qui habitaient les mêmes quartiers. Elles avaient aussi une spécificité qui était qu'elles allaient dans des ateliers sur l'alimentation et le budget. Elles étaient intéressées par gérer leur petit budget plus efficacement. Et en tout cas, ce qu'on a vu quand on a comparé les achats de ces deux types de foyers habitant ces mêmes quartiers pauvres, c'est que finalement, ils étaient en tout point comparables, ces achats, sauf là où il y a des petites étoiles vertes. Et les étoiles vertes, c'est quoi? C'est les fruits et légumes. C'est-à-dire qu'en fait, dans les foyers des jardinières, on achetait plus de fruits et de légumes que dans les autres foyers, mais nettement plus, puisque c'est 150 grammes de plus par jour et par personne, ce qui est assez considérable, puisque c'est une portion. Non, c'est deux portions. Ah oui, c'est énorme, en fait. À chaque fois, j'en reviens pas. Mais ce qui nous a pas moyennement, enfin pas trop étonnés non plus, c'est qu'elles dépensent plus pour leur alimentation. Alors, elles dépensent plus parce qu'elles achètent plus de fruits et légumes, mais pas uniquement. En fait, il y a cet effet fruits et légumes, mais il y a aussi que pour chaque groupe d'aliments, elles les achètent un petit peu plus cher. Alors, ça croisait bien avec tous les discours qu'il y avait autour de la qualité, justement, et de la recherche de qualité, mais on n'était pas en mesure de savoir ça avance pas ? Attends. Oui, c'est ça. Donc, on n'est pas en mesure de savoir si cette relation est causale, évidemment, puisqu'on a regardé à un moment donné deux groupes qui, finalement, chacun était un peu particulier. Et voilà, on a vu ces différences, mais en croisant avec l'approche qualitative qui vraiment semblait indiquer que l'accès au jardin générait des changements chez les gens, et notamment cette estime de soi qui revenait tout le temps, on a quand même de fortes raisons de pouvoir poser au moins l'hypothèse d'un impact de
fait de jardiner dans un jardin collectif sur les comportements alimentaires et notamment les comportements d'approvisionnement. Donc c'est pour ça qu'on a voulu lancer un travail plus conséquent, parce que pour regarder s'il y a un effet de causalité à une intervention, il faut prendre le temps de le faire, puisqu'il faut pouvoir suivre les gens idéalement avant l'intervention et puis après, donc dans une étude longitudinale et plus transversale. Et donc on a une thésarde qui s'appelle Marion Taré, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui a donc démarré ce travail. Et là, elle a la dernière année de sa thèse. Il lui a fallu donc tout le temps d'une thèse pour poser cette question de la causalité. Est-ce que le fait d'avoir accès à un jardin partagé va pouvoir permettre de modifier les comportements? Donc, c'est un peu la course, là. J'arrive plus à respirer. Elle a fait une étude de la littérature. Et donc, dans cette étude de la littérature, elle a vu que finalement, il y a très, très peu d'études quantitatives sur la relation jardin-alimentation-santé. La plupart sont des études observationnelles avec des designs transversaux, donc un peu comme celles que nous, on avait faites, et même un petit peu moins bien que la nôtre, dans le sens où la plupart du temps, les comportements sont déclarés, tandis que nous, on avait pris la peine d'avoir l'étiquette de caisse, donc d'avoir quand même des preuves un petit peu plus objectives des comportements d'achat. Et aussi, un autre problème, c'est que ces études sont menées principalement aux USA, et donc dans un contexte assez différent de celui qu'on a en France. Donc, la question de recherche de la thèse de Marion, c'est: est-ce que la participation à un jardin partagé en milieu urbain pourrait favoriser l'adoption de styles de vie plus durables dans un contexte français? Donc le principe, c'est un suivi pendant un an. On aurait bien voulu faire plus, mais le temps d'une thèse, c'est court. Donc on fait un an. Elle a calculé que si on avait 80 jardiniers et 80 non-jardiniers, ce serait bien. Elle a réussi à en avoir 75, ce qui est pas mal. Donc elle a 75 personnes qui sont des nouveaux jardiniers. On les a pris vraiment au moment où ils décidaient de s'inscrire dans le jardin. Et puis 75 témoins qui sont issus de mon panier, donc et à parier pour l'âge, la taille du foyer et puis le type d'habitat dans lequel ils vivent. Et donc, qu'est-ce qu'on évalue? En fait, on va évaluer ce qu'on a appelé la durabilité des styles de vie. C'est un petit peu pompeux, désolé, mais c'est juste pour dire qu'on va essayer de voir des éléments différents de la durabilité, donc sur la dimension santé sociale, sur la dimension économie et sur la dimension environnement. Donc voilà, il y a toute une batterie de tests qu'on leur fait passer. Donc sur le côté social-santé, vous avez compris, il y a tout ce travail sur la qualité nutritionnelle des approvisionnements. On leur fait porter à la ceinture un petit truc qui s'appelle un accéléromètre pour mesurer leur activité physique pendant 9 jours. Et puis, il y a des études et des échelles de questionnaires pour évaluer le bien-être mental, le lien social. Et aussi, on va regarder sur les approvisionnements l'impact carbone estimé des achats, mais aussi l'impact carbone du fameux dernier kilomètre dont Karl Guénier-Panier a parlé ce matin. Voilà. Donc, on n'a pas les résultats. on les aura d'ici quelques mois. Voilà, comme je vous le disais, elle a trouvé 75 jardiniers qui sont pratiquement répartis dans tous les jardins de Montpellier. Il y en a une vingtaine. Leurs témoins à parier. Et aujourd'hui, on peut dire qu'à T0, il n'y a aucune différence observée entre les jardins et les témoins, ce qui est bien. Enfin, s'il y en avait eu une, ça aurait été aussi intéressant comme information, mais c'est mieux de démarrer avec aucune différence à T0. Comme ça, si on voit une différence à T1, on pourra quand même plus facilement dire que c'est vraiment lié au fait d'avoir participé au jardin pendant un an. Voilà, merci. Dernière intervention, Benjamin Grégory. Il y avait du rab.
Oh là, il y avait beaucoup de rab. Hein. Bonjour à toutes et tous. Donc nous, on va aborder trois aspects en fait autour de ce circuit. Donc la consommation et l'évolution en fait des pratiques d'approvisionnement en circuit court et de proximité, et donc la diversification de ces circuits, et aussi à la en fin de présentation les risques associés éventuels avec ces nouveaux modes de consommation. Donc moi, je suis Benjamin Lès, je suis chargé de recherche à l'INRA. Et donc je vais commencer par vous parler de ce qu'on fait donc en collaboration avec Yuna et Grégory autour de d'essayer de mesurer en fait l'évolution des pratiques d'approvisionnement et notamment la diversification donc de ces modes. Pour cela, on se base sur une population qui est issue de l'étude Nutrinet Santé. Donc, c'est une étude de cohorte prospective d'adultes volontaires dont l'objectif est d'étudier les liens entre la santé et la nutrition, mais aussi les déterminants des comportements alimentaires. Cohorte qui a démarré en 2009 sur Internet. On avait 158 000 inclus environ. Et en fait, dans cette cohorte, donc, il y a toute une série de données qui sont relevées autour du comportement alimentaire avec une évolution assez précise des consommations, notamment alimentaires, des paramètres aussi sociodémographiques, géographiques et anthropométriques de nos participants, les données de santé aussi, donc, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Et donc ça, grâce à donc, cette richesse de données, on peut aussi les mettre en lien avec d'autres aspects, avec des questionnaires qui sont dits optionnels et notamment autour des modes d'approvisionnement. Caroline et Jean ici présentes avaient développé un questionnaire à ce qu'elle est à l'ERN avant d'être à l'équipe Moïsa sur les pratiques donc, d'approvisionnement en balayant. Donc à l'époque, c'était, il faut se dire, 2010 avec l'apparition tout juste des premiers... Enfin, plutôt, c'était pas l'apparition, mais c'était le début du développement, on va dire, des circuits de courts de proximité pour une population plus large. Donc on avait commencé juste par certains modes qui étaient présents à l'époque. Donc il y a eu une évolution depuis qui a été très rapide et qui a dû être bien discutée déjà. Et donc nous, on a pris donc, les gens qui résidaient en France métropolitaine tout d'abord et qui avaient donc déclaré faire les courses pour leur foyer, ce qui était important pour pouvoir répondre. Et donc pour vous expliquer brièvement comment se déroule notre projet, donc la collecte des données, comme je vous l'expliquais, se base sur les premières. Tout d'abord, on s'est basé sur les premières mesures de fréquence d'achat dans différents lieux d'approvisionnement recueillis à l'aide donc d'un questionnaire spécifique dans l'étude Nutrinet Santé qui a été renseigné entre 2010 et 2014. Et puis, donc, on avait déjà commencé à décrire un petit peu ces données. Je vais vous présenter très rapidement un résultat après. Et en fait, ensuite, on a donc travaillé avec Grégory et Yuna pour, à partir de la typologie des circuits courts et de proximité qui a été présentée ce matin aussi, à mettre à jour en fait notre questionnaire avec notamment toute cette diversification au niveau des circuits courts et de proximité, mais pas que, aussi avec les nouveaux, tout le développement des drives ou des choses comme ça qui n'étaient pas encore très présents en 2010, 2009-2010 au lancement de Nutrinet. Donc, en parallèle donc, de cet aspect, qui est vraiment pour un aspect très quantitatif des recours aux circuits courts et autres circuits et autres modes d'approvisionnement, Grégory et Yuna ont aussi travaillé. Là, on est en train de justement faire une adaptation des méthodes qui sont utilisées en sociologie des réseaux. Et ça, Grégory, peut-être, je ne sais pas si tu parles d'un mot dessus après. Ouais. Sur. En fait, voilà, le fait de pour mieux comprendre en gros en quoi les circuits courts et le fait d'intégrer des circuits différents des circuits classiques d'approvisionnement pourraient être un levier vers une relation différente à l'alimentation. Donc pour vous expliquer un peu cette évolution très très brièvement, donc lors de notre première étude descriptive, à partir du premier questionnaire Nutrinet Santé, on avait déjà pu essayer de classer en fait les lieux d'approvisionnement selon la fréquence de fréquentation. Et en fait, on avait pris un indicateur, par exemple, qui était le fait d'aller plus de deux fois par mois. C'était un mode assez courant quand on regardait la description de chacun de ces lieux. Et en fait, on voyait que les commerces de proximité, quand on raisonne en termes de fréquence, évidemment, la boulangerie, on peut aller régulièrement acheter du pain, etc. Donc, c'était des commerces très, très fréquemment, ou sur lesquels les personnes s'approvisionnaient très fréquemment. Et on voyait quand même quelques circuits comme les marchés, les magasins bio et les paniers de producteurs, qui étaient un peu des circuits on va dire alternatifs à la grande distribution, qui quand même émergeaient un petit peu déjà 2009-2010.
Et donc, ce qu'on a fait, comme je vous disais, on a fait une mise à jour du questionnaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu détailler tous ces modes d'approvisionnement, notamment en circuit court et de proximité. Et donc, on voit que le panier producteur reste un circuit qui est quand même, selon les déclarations de nos participants, assez fréquenté. Voilà. Et ensuite, par contre, on a donc des nouveaux modes qui sont, enfin, ceux qu'on a ajoutés, qui semblent aussi être également pas mal fréquentés. On regarde, on voit que le magasin producteur Drive arrive donc juste après les paniers producteurs. L'achat en ferme aussi est pas mal classé dans, quand on prend cet indicateur de fréquence. Et voilà, donc on a pu détailler un peu tous ces nouveaux modes. C'est des données qui sont en cours d'analyse, pareil, c'est des données vraiment très préliminaires, qu'on a encore pas mal de travail pour bien pouvoir les interpréter. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir donc deux points de mesure de ces fréquences d'achat, et donc il y aura un travail méthodologique pour essayer de voir si on peut observer une évolution. Donc ça, c'est encore en cours de réflexion. Et je passe la parole à Grégory. Donc, effectivement, il y a des nouvelles façons de s'approvisionner qui sont aussi liées à la diversification des circuits courts. Donc, on voit notamment l'apparition de nouveaux types de magasins qui sont des magasins spécialisés en lien avec des façons de consommer spécifiques. Donc, on a un certain nombre de magasins qui sont pour des gens qui se disent locavores, en tout cas des magasins qui offrent une gamme de produits dits locaux avec des périmètres qui peuvent être des rayons, je veux dire, d'approvisionnement qui peuvent être 250 ou 200, 250 km autour du lieu de distribution. On a maintenant l'apparition aussi de magasins vrac, 6 minutes 30, avec toute cette nouvelle manière de consommer zéro déchet, donc des magasins qui répondent à une demande ou à des attentes, ou bien des magasins qui construisent une nouvelle demande, une nouvelle attente. Et puis, on a aussi des nouvelles chaînes, par exemple les magasins, la chaîne des magasins Nous, qui offrent des produits dits moches, donc des légumes qui ne sont pas calibrés et qui peuvent aussi répondre à des attentes en termes de consommation de produits ayant des qualités nutritionnelles tout à fait convenables, mais pour éviter notamment le gaspillage. On a également le développement de nouveaux formes d'approvisionnement qui impliquent les consommateurs. Donc, il y a des coopératives alimentaires qui sont des coopératives de consommateurs qui sont gérées uniquement par les consommateurs. On a des groupements d'achat qui sont des groupements qui peuvent être des groupements de citoyens dans un village ou bien des groupements au sein d'entreprises et qui vont s'approvisionner, généralement en circuit court, de produits parfois locaux, parfois des produits plus lointains, mais toujours en circuit court, en direct des producteurs. Et puis, depuis les années 2010, on a le développement de supermarchés coopératifs, avec l'ouverture en 2016 de La Louve à Paris, et puis depuis 2016, l'ouverture d'une vingtaine de magasins, avec aussi, je vous montrerai dans la planche d'après, un développement dans toute la France. On a également le e-commerce alimentaire, on en a parlé un peu ce matin, mais je vais y revenir dessus, qui se développe avec différents circuits de vente, avec ou sans intermédiaire, avec ou sans remise du produit par le producteur, ce qui modifie aussi là, les interactions que peuvent avoir les producteurs avec les consommateurs. On a, je vous l'ai dit ce matin, mais l'arrivée de nouvelles places de marché. Alors, j'ai parlé ce matin des géants du web et puis de ces plateformes plus ouvertes, mais il y a aussi de nouveaux acteurs du genre Le Bon Coin. C'est assez étonnant, mais il y a quand même 8000 annonces alimentaires sur Le Bon Coin en permanence. On a des formes d'échanges alimentaires, soit de professionnels vers de particuliers, mais aussi de particuliers entre eux, ou en tout cas des gens qui ont des statuts de semi-professionnels, semi-particuliers, qui peuvent avoir des distributions qui sont finalement aidées par ces nouvelles intermédiations qui peuvent créer des nouvelles relations entre des gens sur des territoires. Et puis, des nouveaux acteurs de la logistique, des nouveaux dispositifs de remise de produits. J'ai parlé des casiers connectés ce matin, mais on peut aussi parler des boîtes aux lettres réfrigérées qui sont dans des projets de promotion immobilière. On va avoir des boîtes aux lettres réfrigérées en bas des immeubles pour récupérer le soir quand on rentre du boulot ces légumes de la MAP, par exemple. Voilà. Alors, sur l'implication des consommateurs, on a ici la carte des projets ou des supermarchés coopératifs qui sont,
qui sont ouverts, avec une diffusion qui a été assez rapide, puisque finalement, en 5 ans, on a quasiment toutes les grandes métropoles de plus de 100 000 habitants qui ont un projet, toutes les villes de plus de 100 000 habitants qui ont un projet de supermarché coopératif, avec du coup un modèle qui demande une implication financière aux consommateurs, qui doit prendre une part sociale dans le magasin, une implication également fonctionnelle. Le consommateur doit participer 3 heures par mois à la mise en rayon des produits, à la gestion du supermarché, et puis une implication stratégique où on demande aux consommateurs coopérateurs de définir les orientations du magasin, de choisir les approvisionnements, de choisir les règles d'organisation collective. Donc ça pose finalement des nouvelles questions. Est-ce qu'on va vers plus de démocratie alimentaire ? Où est-ce qu'on est sur la construction de nouveaux espaces d'entre-soi? Ensuite, sur le e-commerce, j'y reviens, on a la multiplication du coup des possibilités d'approvisionnement. Ça pose la question des paysages alimentaires qu'on a vus aujourd'hui, puisque finalement, si on peut se faire approvisionner directement dans sa boîte aux lettres, ben, ça transforme aussi cette notion de paysage alimentaire. On a l'entrée de ces places de marché et puis des géants du e-commerce, donc ça pose la question de cette massification des pratiques. Est-ce qu'elle va se produire grâce au numérique? On a l'utilisation des sites de petites annonces. J'ai parlé de Le Bon Coin, mais il y a aussi Facebook Marketplace. Donc il y a aussi de l'alimentation sur Facebook. Ça devient un peu compliqué à comprendre. Mais on a finalement ces nouvelles pratiques plus informelles. Et ça va poser la question aussi, j'y viendrai après, de certains risques associés. De nouvelles plateformes plus ouvertes, donc pour une gouvernance plus partagée. Et puis ces nouveaux dispositifs de remise de produits, donc, qui viendraient reconfigurer aussi là, les interactions, les relations qui peuvent se tisser entre un producteur et un consommateur. Voilà. Donc, est-ce que c'est la création de nouveaux réseaux de proximité sur les territoires, ou finalement, est-ce que justement tout ce numérique viendrait déliter ce lien producteur-consommateur qui est un petit peu l'essence même de cette reterritorialisation, on l'a dit depuis ce matin. Alors j'en viens à la fin de la présentation, qui sont finalement des questions que pose Marie Champomier-Vergès, qui est directrice de recherche à l'INRA, microbiologiste. Donc c'est moi qui vais faire cette présentation, parce qu'il y avait juste quelques... on n'avait pas le temps pour être présenté à trois. Mais du coup, en fait, ces nouvelles pratiques, aussi bien en termes de distribution, de logistique, de transformation, de consommation, elles viennent questionner de nouveaux risques microbiens. Donc, pour un petit rappel, en fait, cette notion de risque, c'est un calcul finalement de probabilité, de savoir est-ce qu'il y a des conséquences néfastes vis-à-vis de l'exposition à un danger. Donc, ça suppose d'une part d'identifier ce danger, d'autre part, de le caractériser pour voir si c'est un danger qui est important, notamment lié à une exposition qui est forte ou pas, longue ou pas, et puis à quelle dose. C'est un rapport finalement entre ce danger, cette exposition et ce risque qui permet de calculer une probabilité d'exposition à la maladie. Et donc, ces calculs-là, finalement, on les connaît, les microbiologistes, parce que les sociologues, ils n'y connaissent pas grand-chose, mais les microbiologistes le connaissent très bien pour le food system tel qu'il est actuellement, avec des espaces de production, des espaces de transformation, de logistique, de distribution. Et finalement, les circuits courts viennent court-circuiter, pour le coup, ce système en allant finalement directement éliminer un certain nombre d'acteurs. Et finalement, ce sont soit les producteurs, soit les consommateurs qui prennent en charge ces tâches de transformation, de distribution, logistique. Du coup... ça pose des nouvelles questions à la recherche. Est-ce qu'on est sur de nouveaux dangers? Est-ce que ça modifie les conditions d'exposition? Puisque si les consommateurs sont aussi impliqués dans des tâches, par exemple, de distribution pour d'autres, peut-être ça les expose à de nouveaux dangers. Et puis, avec ce changement d'échelle de consommation, si ces pratiques en circuit court augmentent, ça modifie aussi l'exposition au risque. Du coup, ça pose la question de quels sont ces nouveaux dangers qui sont liés à ces nouvelles pratiques, puisque ces nouvelles pratiques en circuit court, elles sont aussi liées à l'apparition parfois de nouvelles matières premières, d'origine animale ou végétale, donc des nouvelles matières premières qui pourraient avoir des risques de contamination. On a aussi des pratiques qui peuvent être associées, notamment des pratiques au niveau des aliments fermentés qui sont...
qui peuvent là de, amener de nouveaux risques qui ne sont pas liés qui sont liés à ces nouvelles manières de préparer des aliments. On a des nouvelles pratiques qui exposent donc à la fois les producteurs et les consommateurs à des nouvelles manières de faire, puisque les producteurs doivent aussi endosser de nouveaux rôles comme les consommateurs. Et puis des nouvelles microproductions, donc on n'est plus sur des échelles d'usines qui sont avec par exemple des systèmes de transformation qui sont uniquement pour la viande ou uniquement pour les légumes. Là, on peut avoir des systèmes de transformation qui vont être pour les deux types de produits et qui du coup peuvent exposer finalement des végétaux à des risques de contamination liés plutôt à des aliments d'origine animale. Donc c'est ce qui est cette question des contaminations croisées liées à la réduction des échelles. Il me reste 10 secondes. Non, il ne me reste pas 10 secondes, j'ai dépassé le 50 secondes. Et du coup, c'est de l'autogestion. Du coup, il y a cette question des nouveaux circuits qui font émerger de nouvelles pratiques ou inversement. Donc c'est une question qui va nous intéresser en tant que chercheurs. Ça ouvre de nouvelles questions de recherche pour nos disciplines, en sociologie, en nutrition, en microbiologie. Ça nécessite des nouveaux projets de recherche qui sont en cours et à venir. Je vous remercie. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Je sais que ce n'est pas facile, hein, mais c'était bien l'idée de se focaliser sur 2-3 messages. Donc je vais donner tout de suite la parole à Catherine Bernard de Fabrique Territoire et Santé, qui va faire une première discussion. On aura un temps d'échange. Et puis Dominique donc, fera une conclusion, ouverture. Bonjour à tous. Donc, je vais juste présenter la structure que je représente aujourd'hui. Donc, c'est une association qui s'appelle Fabrique Territoire Santé, qui est une association tête de réseau national qui vise à valoriser les démarches territoriales de santé portées par les collectivités locales, telles que les contrats locaux de santé ou les ateliers santé-ville dans les quartiers politiques de la ville. Et donc, ces dispositifs de politique publique visent à mettre en cohérence les politiques de santé dans le cadre des villes. Ça couvre à la fois les actions de santé, les actions de promotion de la santé et de prévention. Donc c'est une association qui porte une attention, enfin, qui est au croisement de la politique de la ville et de la santé, et donc qui porte une attention assez particulière aux inégalités sociales de santé. Donc je suis peut-être la seule voix santé ici aujourd'hui, à part les nutritionnistes qui sont présents ici. Voilà, on n'est pas sur le même champ, hein. Il y a des nutritionnistes effectivement qui interviennent dans les collectivités territoriales. Du coup, c'est vrai que la santé publique, elle s'intéresse beaucoup à l'alimentation par le prisme de la nutrition. Du coup, l'idée, c'est de changer les pratiques de consommation des acteurs et d'agir sur les comportements individuels. Alors, il y a eu beaucoup de retours des publics des ateliers nutrition qui ont pu être menés dans les ateliers santé-ville notamment, avec des personnes qui se sont dit « Mais attendez, enfin, c'est bien de nous parler de repères nutritionnels, mais enfin, nous, on ne peut pas acheter cette alimentation saine, en fait. Et donc, quid de l'accessibilité géographique et financière d'une alimentation saine ? » Donc, ça a poussé aussi les acteurs à s'intéresser à cette accessibilité-là. Et nous, on a réalisé un dossier ressources sur l'alimentation et le développement local, en essayant de regarder quelles étaient les actions que pouvaient mettre en place les collectivités locales pour favoriser l'accès à l'alimentation saine. Donc, on a mis en lumière, à travers d'une capitalisation d'actions, un certain nombre d'actions. Donc il y a les jardins partagés, bien évidemment, il y a l'agriculture urbaine, il y a les circuits courts, donc, qui sont des choses qu'on a retrouvées dans cet atelier et puis en plénière. Il y a aussi la gouvernance alimentaire au travers des projets alimentaires territoriaux qui peuvent être couplés avec les contrats locaux de santé. La restauration collective, bien évidemment. Donc on avait sorti ces 5 pistes d'action. Et on voit que finalement la santé publique est de plus en plus intéressée à aller au-delà de la nutrition et de s'intéresser à cette accessibilité, ce que témoignent aussi vos projets de recherche aujourd'hui. Et donc il y a une synthèse de connaissances de l'Institut national de santé publique du Canada qui vient de sortir cette synthèse de connaissances sur les interventions visant à modifier l'accessibilité géographique à des commerces d'alimentation et les impacts sur l'alimentation et le poids corporel. Donc voilà, la santé publique s'intéresse à ces questions-là. Donc l'association va aussi organiser une journée sur alimentation et santé et la territorialisation des politiques publiques.
Moi aussi, je trouve que c'est un peu compliqué à dire territorialisation, reterritorialisation. Donc moi, j'avais plusieurs remarques. Donc, vous l'avez compris, hein, j'ai un point de vue plutôt santé, plutôt collectivité locale. Donc, il y a des choses que nous, on a retrouvées, qui ont émergé des actions locales qu'on a capitalisées, qui ressortent de vos... des choses qui ont des éléments qui ont été présentés là aujourd'hui, enfin dans cet atelier, des éléments qui sont pas forcément congruents non plus. En tout cas, ce qui nous semble assez clair, c'est que pour développer l'accessibilité à une alimentation saine, ça va au-delà que développer la simple offre alimentaire. Il faut travailler à la fois sur les transports, sur la cohésion sociale, sur les revenus des personnes, sur les représentations sociales, à la fois de l'alimentation, mais aussi des commerces et des pratiques. Et puis, il y a aussi l'importance de prendre en compte les personnes en situation de précarité et d'allier l'ensemble des acteurs des territoires. Et ce n'est pas forcément des acteurs qui vont être étiquetés alimentation, mais c'est important de prendre en compte les acteurs santé, donc les centres sociaux, par exemple, qui peuvent avoir de... Tout le monde, en fait, est concerné par l'alimentation et pas seulement les acteurs qui peuvent être identifiés en tant que tels. Sur le lien aussi entre alimentation et santé, finalement, ça va... Et c'est ce que prouve aussi... c'est des pistes qui émergent de ce que vous dites. Ça va au-delà de la qualité nutritionnelle des aliments, puisqu'on est sur des pratiques d'approvisionnement, en fait, qui vont être aussi favorables à la santé. Au travers des jardins partagés, vous montrez qu'effectivement, ça va favoriser l'activité physique, ça va rompre l'isolement social, et ça va favoriser l'estime de soi. Tout ça, c'est des déterminants de santé, c'est des questions de santé mentale qui sont extrêmement importantes pour les acteurs santé dans les collectivités. Du coup, je serais aussi intéressée à voir comment ces pratiques collectives dans les circuits courts aussi ont un impact positif sur l'estime de soi, sur la cohésion sociale, etc. Et puis, je voudrais aussi parler de la question des inégalités sociales et territoriales de santé. C'est une question absolument transversale et qui, à notre sens, doit être prise en compte dans l'ensemble des démarches, actions, recherche-action. Donc là, il y a certaines recherches qui ont pris place dans des QPV. Et effectivement, ça nous semble intéressant. La question du creusement des inégalités, elle a été posée aussi par un des intervenants dans le contrepoint tout à l'heure. Effectivement, il y a la question des publics précaires. Comment ils sont intégrés, concertés, ils sont partie prenante de l'ensemble de ces politiques, de ces dispositifs, de ces démarches, on risque fortement de voir les inégalités se creuser, les inégalités sociales, mais les inégalités de santé aussi. Et du coup, il y a vraiment une nécessité de penser et d'agir pour l'inclusion de ces populations-là vraiment en amont. Donc la question des outils numériques, elle se pose sur les publics précaires. Elle se pose aussi sur la e-santé. Comment on les inclut. Et puis, je pense aussi aux disparités territoriales. On plébiscite l'approvisionnement local, mais quid d'un approvisionnement... Comment on favorise une alimentation saine s'il n'y a pas de production de fruits et légumes dans certains territoires? Et du coup, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir aussi des situations de santé à deux vitesses, voire à multiples vitesses, selon la qualité de production des territoires, avec des territoires plus riches en production locale et d'autres qui le sont moins. Voilà. Merci beaucoup. Donc maintenant, la discussion est ouverte. Donc j'espère que vous avez bien noté vos questions pour toutes les interventions. Et puis n'hésitez pas, c'est aussi l'idée de... Enfin, on va essayer quand même d'avoir un moment de questions courtes, réponses courtes, pour aussi répondre à tous les questionnements que vous avez. Ça n'empêche pas évidemment la présentation de certains témoignages ou d'expériences. On est aussi là pour ça, pour organiser, pour faciliter cet échange de témoignages.
Voilà. Oui, c'est une question assez concrète. C'est à madame, vous venez d'intervenir. J'aurais voulu savoir si vous avez un répertoire ou en tout cas quelques exemples concrets d'interventions pour expliquer la relation entre alimentation et santé. Si je posais la question, c'est parce que le travail que je fais très localement à l'Île-Dieu, c'est une petite île de rien du tout, mais où toutes ces questions-là se posent aussi, nous avons du mal à rentrer en contact avec les populations, justement, qui pourraient avoir besoin de transformer un petit peu leur mode opératoire, la composition de leur assiette, etc. Les médecins font très peu de travail de prévention. Et donc, ça revient aux associations dont je suis de faire un travail au travers, par exemple, d'ateliers cuisine qu'on fait en relation avec les jardins partagés de Lille. Voilà. Et est-ce que vous avez des exemples d'actions qui lient le travail associatif, les médecins et les contrats local santé? C'est tout récent chez nous. Donc, on vient de signer le deuxième. Et dans ce cadre-là, moi, je ne sais pas comment mettre les choses en route, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples précis ? Merci. Tout à l'heure. On prend une petite série. Alors moi, j'avais une question pour Faustine Régnier. Merci pour ton intervention. Tu disais que, si j'ai bien suivi, les individus des classes un peu plus défavorisées pouvaient être sensibles aux arguments économiques qui étaient associés à la reterritorialisation de l'alimentation. Et donc, je me demandais si c'était pour eux-mêmes ou vraiment pour le territoire ou le maintien de l'activité dans le territoire. Oui, bonjour, je suis Evelyne Boulogne du MIRAMAP, du mouvement interrégional des AMAP. Je suis assez contente d'entendre à ce point-là le mot AMAP dans la journée, mais j'entends aussi qu'il est employé à tort et à travers, mais c'est vrai qu'il est tombé, j'ai vu dans le dictionnaire, il est devenu un nom commun, mais c'est avant tout un acronyme, et avant tout il se base sur une charte très précise qui a des valeurs. On est un mouvement d'éducation populaire, donc il n'est pas question de distribuer des choses dans des boîtes aux lettres ou d'autres sortes de choses qu'on entend partout, mais on est en lien direct, justement pour comprendre quels sont les enjeux de l'alimentation et de l'agriculture à travers du contact direct avec un paysan. Donc on a une charte très précise, et c'est vrai que c'est employé à tort et à travers, parce que notre idée a été génialissime, elle s'est répandue, imitée, copiée, mais aussi elle entraîne énormément de dérives. On est très contents, ça est semé partout, dans tous les sens, maintenant chacun se saisit de cette idée-là pour en faire absolument ce qu'il veut. Et là, nous, on patauge un petit peu, mais bon, on va garder le cap, parce que c'est quelque chose qu'on a voulu absolument éthique, éducation populaire, et le maintien de l'agriculture paysanne avec une définition très précise de ce que c'est que l'agriculture paysanne. Voilà. Merci. N'utilisez pas à tort à travers, quoi. Bonjour. J'avais deux petites questions. La première, c'était pourquoi l'emploi du terme paysage alors qu'il s'agit d'environnement ? Parce que la notion de paysage, moi, la semaine prochaine, je vais travailler sur le paysage avec l'École nationale du paysage sur la vallée de la Seine, et la notion de paysage chez les paysagistes, chez les géographes, est beaucoup plus profonde, en tout cas, beaucoup, il y a une plus grande épaisseur. Et notamment, moi, je travaille vraiment sur les liens entre alimentation et paysage, et c'est pas du tout c'est l'environnement, quoi. La deuxième chose, c'est que dans toutes les discussions, en fait, c'est très intéressant, les études, un petit peu, mais... La difficulté que j'ai, c'est qu'en tant qu'acteur et en tant que militant associatif, quid des mouvements d'éducation populaire en environnement ? J'ai été administrateur du réseau École et Nature. Ce sont des réseaux d'éducation populaire à la nature et au développement durable. Personne ne les invite dans les terres d'outables, et c'est très compliqué, en fait, de faire entendre ça. C'est la même chose de l'éducation populaire, puisque les centres sociaux sont moribonds et on n'en fait pas grand-chose, on les instrumentalise, et ils s'auto-instrumentalisent aussi beaucoup. Donc c'est surtout cette question que l'alimentation révèle, c'est le syndrome de manque de nature qu'on pourrait soigner par une alimentation, donc d'une façon beaucoup plus large, par l'accès au paysage en tant que référence, j'allais dire, sensible, et pas simplement descriptive, quoi. Voilà. Voilà, je vous remercie.
Pardon, oui, bonjour. Bonjour. Donc, Bruno Hannen, je suis chef de projet en SIG, système d'information géographique, pour une communauté d'agglos basée en Loire-Atlantique, Cap-Atlantique. Sur les différentes études qui ont été décrites cet après-midi, je voulais savoir s'il y avait un focus fait sur au-delà de l'achat, sur ce que, en termes de cuisine domestique, en fait, est-ce que ça a des répercussions sur la pratique, enfin, la transformation domestique, enfin, j'utilise ce terme, je ne sais pas si c'est le bon, mais en termes de cuisine, est-ce que les gens cuisinent un peu plus? Est-ce qu'il y a un lien entre les études que vous avez menées, l'accessibilité à des produits bio ou autres, raisonnés ou conventionnels, enfin, quelle que soit la nature du produit, est-ce qu'il y a des études, ou est-ce que les études que vous avez citées cet après-midi font un focus justement sur la cuisine, est-ce qu'il y a un lien ou, voilà. Merci. Bon, je vais tout de suite répondre sur cette notion d'AMAP. Je pense qu'il n'y a pas une seule fois où il a été mal utilisé. Je vais juste vous lire le mail du 9 octobre que j'ai reçu. Un promoteur implanté à Toulouse, Pitch Promotion, est intéressé pour développer des espaces réfrigérés dans un programme collectif de logement à Villeneuve-Toulousaine. Ils ont eu des échanges avec des AMAP intéressés. Voilà. Donc c'est vrai que c'est peut-être étonnant, mais ce sont des projets qui sont en train de se développer. Voilà. Après, sur la notion de la cuisine, dans ces études-là, on s'intéresse, moi, en qualitatif, dans des entretiens avec notamment des coopérateurs, des supermarchés coopératifs, je m'intéresse à cette notion de cuisine. Est-ce que, justement, le fait d'avoir accès à des produits bruts, des produits en vrac, etc., peuvent les amener? En qualitatif, c'est plutôt positif. Les gens disent, oui, j'ai tendance à plus cuisiner. Mais c'est du qualitatif, on ne peut pas vous dire que ça augmente de manière X% en plus, quoi. Ça, je ne sais pas. Mais les gens, un certain nombre de consommateurs ont le sentiment que ça accroît leur pratique culinaire. Pour certains profils, pas forcément pour tous. Il y a des gens qui cuisinaient déjà beaucoup et qui continuent à cuisiner beaucoup. Voilà. Et d'autres ont le sentiment que ça les... Pour répondre à Sophie Niclos sur l'argument économique, en fait, une question très intéressante, c'est les deux. En fait, pour une partie des individus, il y a l'argument économie domestique et gestion de son budget, bonne gestion de son budget. Et dans ce cas-là, ça discute pas mal sur est-ce que le produit local, notamment, est meilleur marché ou pas. On a les mêmes discussions sur le goût, mais voilà, je pense que ça serait à approfondir. Et le souci de maintenir, enfin, de soutenir une filière. Pour ceux qui sont plus proches du monde rural, il y a le souci, il y a une identification clairement aux travailleurs producteurs et le souci de soutenir cette économie locale. Comme je le disais dans d'autres circonstances, ce local, c'est extrêmement global et ça s'étend jusqu'à la région France. Voilà, donc il y a aussi manger local, ça va jusqu'à manger français pour certains. Voilà, on fait avec, mais voilà, donc il y a vraiment les deux. Alors moi, je vais vous répondre par rapport à l'usage du terme de paysage. Justement, en tant que géographe, c'est pour ça qu'on a vraiment choisi ce terme-là et pas le terme d'environnement. C'est parce qu'on considère que c'est... On utilise le terme de paysage justement parce que c'est quelque chose qui est à la vue des habitants, à travers leur quotidien. Et donc, à travers leur perception quotidienne, ils vont le pratiquer différemment. Et donc, c'est en ça qu'on le diffère vraiment de la notion d'environnement telle qu'il est définie dans le HLPE, qui va être un contexte beaucoup plus factuel, en fait. Et donc, notre approche est beaucoup plus sensible sur la perception que vont avoir les habitants de ce paysage et qui peut les amener à avoir certaines pratiques plus que d'autres. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voit ça vraiment comme un construit social et politique et pas uniquement un état de fait. Donc, je ne sais pas si ça répond exactement à votre question. On pourra en discuter si vous le souhaitez, mais... On fait une différence assez claire. Enfin, j'ai écrit tout un papier là-dessus, si vous voulez, pour en discuter. Plutôt de l'école d'Augustin Berck sur le paysage. On pénètre le paysage, il nous pénètre. Il y a un rapport sensible, profond, presque méditatif, qui pourrait soigner l'état de l'assiette et finalement nous donner, par l'assiette, accès au paysage, l'assiette étant le premier ou dernier espace de nature. Effectivement, enfin... Alors, sur cette relation de quasiment don contre don, on est tout à fait dedans. Après, on ne rentre pas aussi profondément que vous sur, justement, cette dimension méditative. Mais ce premier aspect sensible, je le partage complètement avec vous.
Je vais peut-être juste répondre à Madame de Lille-Dieu. Bonjour Madame. Je vous réponds pour votre question. Alors des données sur l'alimentation et santé, il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup partout. Si vous voulez aller consulter le dossier ressources qu'on a sur notre site, vous pouvez aller le regarder. Il y a un certain nombre d'actions que je ne vais pas détailler ici, mais si vous voulez, on peut en reparler à l'issue de l'atelier plus spécifiquement. Et sinon, vous pouvez essayer de contacter mes collègues pour avoir plus d'informations. Leurs coordonnées sont aussi sur le site. Mais on en reparle après l'atelier, si vous voulez. Oui. Oui, je voulais moi dire un mot en plus sur la cuisine. Donc, ça s'est ressorti énormément dans les entretiens qualitatifs avec les jardinières dans les quartiers nord de Marseille. Et en fait, ce n'était pas qu'elle cuisine plus, c'est que la cuisine, et parce qu'elle l'a dit, prend une dimension extraordinaire, dans le sens que ça sort de l'ordinaire, parce qu'elles vont cuisiner un légume qui vient d'une graine qu'elles ont plantée et qu'elles ont vue pousser. Et ça, c'est littéralement extraordinaire. Et ça s'entend vraiment énormément dans beaucoup de ce qu'elles expriment. Voilà, ça, c'est sur ce plan-là. Et par rapport à la question sur les actions, je réponds aussi à votre question. Madame, à côté. Elle m'entend? Oh oui, madame. Oui, non, je voulais faire attention. Vérifier que vous m'entendiez, parce que c'est aussi pour répondre à votre question. Donc, en fait, sur le site de Santé publique France, vous pouvez aller voir. Alors, il n'est pas très, très bien fait, le site, mais le mieux, c'est d'aller dans Google. Vous tapez « Action probante Santé publique France ». Et en fait, Santé publique France a répertorié les actions qu'ils ont trouvées de façon la plus exhaustive possible, considérées comme efficaces ou prometteuses, sur plein d'aspects de la santé. Alors, il y a la lutte contre le tabagisme, il y a plein de choses, et il y a la nutrition. Donc là, vous allez voir, parce que des choses sur alimentation et santé, il y a une littérature phénoménale, mais par contre, les actions qui permettent de faire bouger un peu les lignes, on ne savait pas trop. Donc il y a maintenant ce site avec des exemples très concrets d'actions, et donc moi, il y en a une que je connais très bien, qui s'appelle OptiCourse, et que j'ai développé depuis 10 ans. Ça a démarré aussi dans les quartiers nord de Marseille. Et d'ailleurs, les témoins, donc les personnes qui étaient les témoins des jardiniers dans l'étude sur les jardins, c'était des personnes qui avaient participé à des ateliers sur alimentation et budget dans le cadre de ce programme OptiCourse. Donc voilà, si ça vous intéresse, pareil, on peut comme optimiser. Les courses, aux petites courses, en un seul mot, avec un S à la fin. Voilà. Donc, Maëlle Ranoud de Actéon, je fais de l'accompagnement de collectivité, notamment sur les projets alimentaires. Je me posais une question suite aux différentes interventions. Ce qui a été dit sur les commerces, donc, est quand même assez contre-intuitif, l'idée qu'il n'y aurait pas d'impact, pas de lien, à vérifier, mais a priori, pas de lien. Si je réfléchis en termes opérationnels, ça veut dire qu'il faut arrêter de travailler sur la question des commerces. C'est une information importante à vérifier, mais voilà, un point important. Par contre, plutôt sur les jardins, donc ce qui voudrait dire que voilà, on a plutôt un levier sur les jardins plutôt que sur les commerces. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a connaissance d'autres leviers, puisqu'à vous entendre, on entend... sur les autres interventions, on entend beaucoup de choses sur la dimension de socialisation, mais agir sur des cercles de socialisation ou des modes d'habiter, c'est quand même quelque chose de relativement difficile à traduire en termes vraiment opérationnels. Je me souviens d'avoir lu des travaux qui montraient bien que l'arrivée d'un premier enfant fait partie des déterminants un peu clés dans les changements de pratiques alimentaires. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont connus, qui seraient plus faciles à saisir ensuite du point de vue opérationnel ? Oui, alors... Quand j'évoquais la littérature sur le sujet, je disais bien aussi les limites de toutes ces études. Et c'est... non. Un résultat non significatif,
c'est un non-résultat. C'est pas forcément que le lien n'existe pas. Et c'est peut-être aussi parce qu'il y a une limite dans ces études, c'est que justement, enfin moi je pense qu'une des limites, et c'est ce qu'on veut travailler dans mon panier, c'est le fait de s'intéresser qu'à l'environnement résidentiel des personnes et considérer que l'exposition à ce paysage, il se fait juste autour de leur domicile et pas sur leur lieu de travail, pas sur les trajets. Et donc ça, c'est vraiment... Je pense qu'on va voir les choses quand même en considérant une exposition plus large et aussi en travaillant sur des indicateurs globaux de l'alimentation et pas sur juste la consommation de fruits et légumes. Ça ne veut pas dire grand-chose quand même. Et sur les, j'ai parlé surtout des résultats non significatifs sur l'obésité, mais c'est normal, l'obésité est plurifactorielle. C'est pas si étonnant qu'on ne trouve pas de résultats significatifs entre l'environnement alimentaire et l'obésité. Et voilà, et sur les événements de vie aussi. Voilà. La littérature, elle montre qu'il y a aussi... vous évoquiez l'arrivée d'un premier enfant dans le foyer comme des périodes un peu critiques aussi. Il y a la retraite, hein, il y a pas mal de littérature sur l'effet de la retraite qui a un impact assez négatif sur les comportements alimentaires. Ou encore, bien sûr, les longues périodes de chômage. Voilà, donc il y a des périodes clés. En effet, il y a une littérature sur ces questions-là. Nicole, tu veux compléter ? Oui, je veux bien compléter sur... l'environnement alimentaire, parce qu'il y a quand même une étude, moi, qui m'avait beaucoup frappée, celle de Chantal Simon sur les collégiens du Doubs, où, en fait, ils ont regardé la relation entre, d'une part, le niveau d'activité physique des collégiens et l'accessibilité à des espaces verts et à des espaces où on peut faire de l'activité physique autour de chez eux. Ça, c'était une chose. Et puis, il y a une autre chose, l'obésité des collégiens, le niveau d'obésité chez ces collégiens, et puis le fait d'avoir accès à des commerces alimentaires. Alors, ce n'était pas fast-food, c'est juste avoir accès à des commerces alimentaires en proximité. Et en fait, quand ils avaient regardé l'ensemble de la population, ils n'ont vu aucun effet. Mais quand ils ont stratifié par niveau socio-économique, ils ont vu qu'en fait, c'était les enfants d'ouvriers qui trinquaient, comme toujours. C'est-à-dire c'est chez les enfants d'ouvriers et uniquement chez eux qu'on voyait que quand il y a une mauvaise accessibilité aux espaces verts et à des magasins alimentaires, qu'on a un lien avec un trop faible niveau d'activité physique et une trop forte corpulence. Donc il faut faire des études assez fines et comme dit Caroline, c'est pas parce qu'on voit pas quelque chose que la chose n'est pas là. Peut-être qu'on n'a pas les bons outils, pas suffisamment de puissance, on n'a pas étudié les bonnes variables, etc. Oui, et pour juste finaliser là-dessus, ce qu'on voit aussi, alors effectivement, même si on ne le voit pas beaucoup dans ces grosses enquêtes quantitatives sur les indicateurs nutritionnels, par contre, sur les pratiques d'achat, moi, à travers les entretiens que je mène, on voit quand même de forts liens avec la manière dont les gens vivent leur paysage au quotidien, avec leur mobilité quotidienne. Et donc, non, il ne faut pas arrêter du tout de réfléchir à la question du commerce, d'autant plus qu'en France, on débute là-dessus, concrètement. Mais il ne faut pas la penser toute seule. C'est penser, effectivement, comme Madame disait tout à l'heure, l'aménagement au sens global. Il faut penser les transports. Il ne faut pas juste penser, effectivement, l'urbanisme commercial et isoler du reste. Il y a les politiques de santé, il y a les politiques de transport, les politiques sociales. Et elles s'articulent toutes les unes avec les autres. Et donc, on a besoin de cette dimension commerciale comme une composante de ces politiques-là, mais elle ne résout pas tout. Il y a beaucoup de promoteurs qui s'intéressent aux usages, notamment il y a ici dans la salle, il y a une représentante de Link City qui est un bâtisseur, en fait, qui est une filiale de Bouygues, et ils ont un laboratoire de recherche et développement, enfin d'innovation, où ils intègrent de plus en plus les usages, et notamment la question alimentaire est cruciale. À Bordeaux, on travaille sur la requalification des 54 000 mètres carrés du mine de Bordeaux. Et le projet auquel on a répondu de la collectivité, de la métropole, c'était comment monter à cet endroit-là un pôle urbain d'excellence alimentaire. Et donc, finalement, aujourd'hui, on se rend compte, de toute façon,
c'est même pas que la question des effondrements, c'est aujourd'hui une façon de faire, d'optimiser les politiques publiques, c'est d'inventer, grâce à la question alimentaire, des politiques transversales extrêmement efficaces, puisque quand on fait de l'alimentation, si on avait la chance dans les métropoles d'avoir une direction de l'alimentation, forcément elle gérerait la cohésion sociale et forcément les politiques agricoles, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on doit juste investir dans l'intelligence collective pour amener les rapports de force à se faire sur le mieux et pas sur le plus. Parce que de toute façon, il exclut de faire moins, donc on a la chance d'être obligé de faire mieux. Voilà. Moi, je voulais effectivement dire presque la même chose qui vient d'être dit, parce que du point de vue sociologique, et le problème que nous rencontrons avec ce concept du environnement alimentaire qui, en tant qu'il est décrit, est-ce que ça reste trop structurel, c'est-à-dire qu'il y a trop de focus sur où sont positionnées toutes les choses et pas l'interaction des individus et des collectivités avec ces structures. Et donc, on essaie d'utiliser plus les théories des pratiques, c'est-à-dire aussi le sens qu'ont certaines pratiques portent vers un comportement alimentaire, vers le lieu où on fait des achats, afin de mieux comprendre pourquoi les personnes adoptent certaines pratiques alimentaires et aussi fréquentent certains points du vent, par exemple. Et là, on a trouvé avec une étude de ma doctorante, c'était en Costa Rica, pas ici en France, mais ce qui vient de sortir, est-ce que aussi les interactions que les personnes ont avec les personnes qui travaillent dans certains lieux, c'est-à-dire dans un circuit court, aussi dans un marché des producteurs, change aussi comment ils décident de consommer ce qu'ils consomment. Et c'est important de voir toutes les variétés des choses qui sont consommées, aussi cuisinées dans la maison, mais aussi de voir l'interaction entre ce qu'ils mangent qui est déjà préparé, c'est-à-dire ce qui est mangé dans le restaurant, avec les fruits et légumes, les différents achats. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut voir à l'intérieur d'un environnement alimentaire, avec les pratiques des individus et collectifs, que ce n'est pas si simple de faire. Donc, les études, ils sont en train d'améliorer ce point de vue qui peut porter des différentes données autour de la question de lien entre les santé, les résultats de santé et aussi les pratiques de consommation, un peu plus variées et mieux compris. Je voulais ajouter que c'est vrai qu'il y a cette notion de paysage alimentaire qui peut être considérée un peu comme statique et froide, mais je pense qu'on peut aussi imaginer que, et c'est pour croiser ces notions de parcours de vie, d'événements biographiques, etc., c'est que finalement, c'est des reconfigurations de liens sociaux qui amènent parfois des changements de pratiques alimentaires. Dans le cas de l'arrivée d'un enfant, c'est l'arrivée de quelqu'un dont on doit s'occuper, mais on le voit aussi, moi je le vois à l'inverse, les séparations, par exemple, amènent aussi des changements de mode d'approvisionnement, et on peut voir que finalement, tous les événements biographiques comme ça ont des effets parce qu'ils viennent reconfigurer les réseaux personnels. Et du coup, dans les espaces de distribution, Alison parlait des interactions avec les producteurs, mais c'est aussi les interactions avec les consommateurs, et on le voit dans ces nouveaux dispositifs d'approvisionnement que sont les groupements d'achat, les supermarchés coopératifs, les gens y vont aussi pour être dans un espace de sociabilité, pour être en interaction avec des personnes qui leur ressemblent, dans une situation de confiance, finalement, de bienveillance et de création d'un collectif, d'une identité collective, finalement, autour de cet approvisionnement. Et je pense qu'on peut le voir dans les groupements d'achat comme VRAC, à Lyon, etc. C'est ça qu'on essaye de construire, c'est des collectifs qu'on essaye d'être construits, c'est des collectifs qui prennent en main leur alimentation et qui sont dans des espaces d'interaction sociale avant tout. Merci. Là, vous venez d'évoquer les moments de la vie qui peuvent, les événements de la vie, le cycle de vie, etc., les enfants, les séparations, etc., les déménagements. Moi, il me semble qu'il y a aujourd'hui une urgence à accompagner et répondre aux questionnements et à aider les gens à passer à un autre modèle alimentaire, dans la mesure où il y a une montée de l'anxiété qui est extrêmement forte, portée, moi je m'en félicite
d'un certain point de vue par les médias, qui dénoncent, du point de vue de la santé publique, un certain nombre de dérives de notre système agroalimentaire. Donc il y a une vraie anxiété, moi, en tant que femme de terrain, hein, si j'ose dire, d'ateliers alimentaires et jardins partagés, et travail associatif, etc., loco-local, bah, je vois que les gens commencent à paniquer un peu en disant « Mais tout ce que je fais, c'est empoisonner mon gamin, ça va pas, ça, comment on fait ?» Comment on fait ? Donc, c'est pour ça que je posais la question de comment associer les médecins, comment associer les autres acteurs du territoire. C'est vrai qu'au niveau des contrats local santé, dont je fais partie maintenant depuis 15 jours seulement, hein, je vois bien que les choses vont se mettre en place, peut-être, je l'espère en tout cas. Mais y a une réponse, il y a vraiment urgence à répondre à l'anxiété en question qui me paraît légitime. Mais... quand ça reste sans réponse, on perd confiance en soi. Oui, moi, une petite question, je ne sais pas à qui elle s'adresse, mais on ne parle pas du tout des dimensions spécifiques de l'alimentation locale, enfin des dimensions culturelles, des produits spécifiques. On sait que c'est difficile à approcher, mais on raisonne un peu comme si... Avez-vous, dans vos études, pris en compte ceci ? Avez-vous quelque chose à dire ? Où est-on sur les standards des paniers nationaux de 1K, 2 ou 3 ? Je me permettais de répondre à chaud à la remarque de madame. Je ne sais pas si on peut remercier les médias de générer autant d'anxiété autour de l'alimentation. Je pense qu'ils ont une responsabilité énorme. Leur travail, c'est de faire vendre du papier ou de faire cliquer les gens sur des sites web. Et très franchement, leur responsabilité est vraiment importante dans la génération de ces anxiétés. Juste une expérience personnelle. Moi, en tant que chercheuse, j'ai été interrogée une fois par une journaliste qui voulait soi-disant faire un reportage comme Mondovino, qui serait Mondo Gusto, le tour du monde des labos dans lesquels on travaille sur le goût, ce qui est le cas dans mon labo. Et le reportage, à la fin, s'appelait « De la drogue dans nos assiettes ». Et donc, il y a vraiment eu tromperie sur la marchandise. Je n'aurais pas participé à ce reportage si j'avais su que le reportage final s'appellerait « De la drogue dans nos assiettes ». Et donc, attention aussi, on peut garder un esprit critique aussi par rapport à au message que les médias colportent. Ok, ben, écoutez, je vais essayer de faire une conclusion. Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'au moins les circuits courts, ça agite les méninges, et que de la créativité au rendez-vous dans les réponses sont là importantes. On voit bien qu'il y a de la controverse scientifique. En tout cas, on peut voir que les disciplines comme la géographie, la sociologie, l'économie, la nutrition, etc., essaient de se parler, essaient de se croiser, se fritent assez fort sur une façon de concevoir le paysage alimentaire ou l'environnement alimentaire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe. Donc, au moins, ce qu'on peut se dire, c'est que les circuits courts produisent aussi des effets de cet ordre-là qui sont absolument nécessaires. Après, ce que j'ai entendu aussi, c'est une certaine façon de définir la place du consommateur, en sachant que les producteurs, les transformateurs, les distributeurs sont aussi des consommateurs. Je veux dire, faut pas l'oublier. Et on voit bien qu'autour du pouvoir qu'aurait le consommateur, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner de façon peut-être un petit peu plus large et plus vaste, qu'on pourrait entendre dans la notion de citoyenneté alimentaire. C'est-à-dire que ça ramène l'alimentation dans le champ de l'espace public comme objet politique, ce qu'on n'a pas eu dans notre pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc ça veut dire qu'à partir du moment où ça arrive comme objet politique, eh bien, il va y avoir du rapport de force, des alliances, des nouvelles façons de voir. Et moi, ce que j'ai pas ou peu entendu depuis ce matin et qui pose quand même pour moi un problème un peu de faux, c'est que l'alimentation, pour moi, ça vient dire des choses sur les rapports de classe. Et tant qu'on ne comprendra pas que cette question de rapport de classe aujourd'hui, elle est extrêmement vive autour de l'accès à l'alimentation, eh bien, je pense qu'on va continuer, probablement, les uns et les autres, à avoir des réponses dans les champs dans lesquels on est, même y compris en faisant des efforts, en travaillant avec d'autres. Ça, là-dessus, j'ai pas de doute. On le voit bien à l'œuvre. Mais en tout cas, je ne suis pas sûre que la question de la démocratie est au rendez-vous aujourd'hui
dans l'ensemble des projets que je peux voir, en particulier dans les dispositifs institutionnels. Je pense aux projets alimentaires de territoire. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des dispositifs institutionnels qui sont mis sur la place publique, dont vont s'emparer un certain nombre d'acteurs, en gros ceux qui vont arriver à prendre la main dessus en premier et être en possibilité de négociation avec les autres vont avoir une place intéressante. Alors, je ne dis pas que ça sera comme ça jusqu'au bout, parce qu'on voit bien qu'il y a une deuxième vague de pattes qui arrive et qui pose les questions de façon un petit peu différente. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais pour l'instant, une grande partie des pattes que j'ai vues sont d'une part une stratégie politique pour un certain nombre d'élus locaux de pouvoir à la fois croiser l'obligation qui existe vis-à-vis des plans climat, vis-à-vis des SCOT, vis-à-vis de l'utilisation des terres, etc., etc. Et ça occupe tellement la place, ça, que du coup, on se demande bien où est la question du système alimentaire. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui me paraît également importante, c'est que la question sociale, elle est toujours présente, partout, mais alors elle a une fonction symbolique plus, c'est-à-dire concrètement et en action, comment on la met en place, elle est rarement présente. Alors on va bien nous sortir le PAT exemplaire de Terre de Lorraine qui travaille avec ATD Quart-Monde et qui effectivement ramène à la table de discussion un certain nombre de gens à petit budget. C'est le seul, il n'y en a pas d'autres. Tous les autres qui ont affiché des dimensions sociales le font à des échelles très micro, et pas à des échelles de pattes plus importantes. Donc ça, c'est quand même une vraie question. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est un peu ce qui s'est dit là à la fin, c'est que les injonctions autour du changement de modèle alimentaire sont d'une puissance pas possible et sont en train de nous expliquer aujourd'hui qu'il y a effectivement des bons aliments, des mauvais aliments, donc des bonnes personnes qui savent bien manger, qui savent bien acheter, qui travaillent bien sur leur petit budget pour acheter les bons légumes qu'ils ont peut-être cuisinés dans les bons jardins, etc. Et puis les autres, qui sont quand même pas forcément très bons, pas forcément vertueux, qui continuent à acheter leurs produits plutôt ultra transformés, leurs conserves plutôt à l'industrie de la conserve, etc. etc. Bon, et si je dis ça un peu sur un ton un peu caricatural, c'est pour dire aussi que derrière la montée en force de cette injonction vers un nouveau modèle alimentaire, elle est ressentie en termes de violence sociale de façon assez forte. Et il ne faut pas se faire d'illusions, il va y avoir des retours de bâton, et il y a des retours de bâton sur cette question-là, à travers des stratégies d'évitement qui se mettent en place de la part, pas simplement des classes populaires, également des classes moyennes, pour travailler depuis un an sur les ronds-points des Gilets jaunes autour de cette question de l'alimentation et de la place de l'alimentation, et comment, dans les discussions autour de la démocratie telle qu'elle est posée, gilets jaunes, c'est les classes populaires plutôt hautes, c'est plutôt les classes populaires blanches qui sont là. Et donc, où il y a des discussions extrêmement puissantes sur les modèles démocratiques et où la question de l'alimentation, elle existe comme façon de participer à certains débats, mais en tout cas, pas du tout comme problème démocratique. Et au bout d'un an de travail où on a même essayé de faire des ateliers pour expliquer ce que ça pouvait être système alimentaire durable, on n'a pas changé grand-chose. Donc tout ça pour dire que autour du changement des pratiques alimentaires, moi j'invite les uns et les autres à bien comprendre que l'alimentation est bien un objet politique, qu'il y a des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment, que ça vient bien nous dire aussi des choses de la façon dont on veut faire société ensemble. Dans un séminaire qui a duré une année qui s'appelle « Démocratie alimentaire » et qu'on a animé, on a travaillé, par exemple, sur la question du droit à l'alimentation pour se rendre compte les uns et les autres avec stupeur, parce qu'on ne l'avait pas imaginé, que nous sommes dans un pays qui s'appelle la France et qui n'a pas de droit à l'alimentation effectif. Donc on peut continuer aussi à imaginer des tas de choses, mais il faut aussi qu'on les remette en perspective avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et par exemple, cette question du droit à l'alimentation, moi, me paraît quelque chose d'incontournable. Je ne vois pas comment on va avancer si on n'arrive pas à poser l'alimentation comme étant quelque chose, d'une part, essentiel, mais rappeler aussi, peut-être autour de ça, la mission régalienne d'un État comme la France, qui est un grand pays de production agricole, qui le reste.
Donc voilà, donc, il y a un certain nombre de choses de cet ordre-là. Et puis, peut-être le dernier petit point, c'est l'alimentation quand même qui est brandie du côté de la santé. Évidemment que les liens entre alimentation et santé sont forts. Plein d'études viennent montrer l'impact de l'alimentation sur une partie des maladies comme le cancer, l'obésité ou des choses comme ça. Mais en même temps, qu'est-ce qui est proposé pour aider à ces changements de pratiques ? Au nom de quoi on pourrait aujourd'hui se permettre de décider que c'est normal que l'alimentation coûte plus cher, que c'est pas bien les familles qui mettent pas de budget alimentaire plus important, alors que ça fait 40 ans qu'on explique aux familles que l'alimentation, ça doit être le moins important et que leur budget disponible, il doit être mis dans d'autres marchandises. Voilà. C'est l'ensemble de ces contradictions-là qu'on va retrouver au cœur des discussions sur démocratie alimentaire, qui sont extrêmement importantes à regarder d'un petit peu plus près. Pour le collectif démocratie alimentaire, dans lequel sont Yuna et Grégory aussi, notre hypothèse, c'est que la démocratie alimentaire renforce la sécurité alimentaire. Oui, un angle sur lequel auquel je m'intéresse beaucoup, qui vient d'évoquer un petit peu Dominique, c'est-à-dire le rapport à cette redistribution, enfin ce rapport social, hein, c'est, je veux dire, partout où il y a conflit, c'est souvent parce qu'on est dos au mur et qu'on est dans un besoin qui n'a pas été plaidé suffisamment. Et en ce moment, je participe à deux programmes européens. En fait, c'est des programmes européens. Les deux portent sur l'alimentation. Ils sont portés, enfin, coportés par l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine. Et il y en a un qui m'emmène bientôt en Allemagne sur ces questions d'alimentation, qui s'appelle Couscous et qui est, et dont le travail, c'est de permettre aux adultes, peu ou non qualifiés, aux personnes issues de l'immigration, de développer des compétences entrepreneuriales en explorant les opportunités qu'offre le secteur culinaire en valorisant leur patrimoine alimentaire. C'est-à-dire qu'aussi, l'insertion, l'inclusion économique fait qu'à un moment donné, les gens vont se dire « Bon, ben allez, il y a peut-être quelque chose à gagner. » Et c'est très intéressant. En fait, je suis ce travail-là et c'est vraiment très intéressant. Et la deuxième chose, c'est un autre travail, en fait, par rapport aux publications, aux publics qui sont un petit peu dans l'angle mort de la bonne alimentation. Je veux le dire pudiquement, les musulmans à qui on laisse depuis 2007 accès à la junk food incarnée qui est l'industrie du halal. Et ben, sur Bordeaux, on a étudié donc à travers un programme européen la lutte contre le junk food et notamment en faisant un travail sur les marchands de kebab en fait, en leur proposant en fait une boule de kebab premium qu'on est en train d'élaborer. Je suis aussi cuisinier avec un abattoir. Donc cette boule de kebab premium, ils sont une dizaine à accepter de la mettre en œuvre avec l'argumentaire et la formation qui va avec. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ça peut prendre, parce que c'est de la vache basadaise, en fait. Donc c'est une valorisation économique des bas morceaux de cette vache basadaise. Et pour une fois, la qualité de cette alimentation kebab ne sera pas d'être pas chère ou d'être halal, ça sera d'être local. Et ça, c'est un bonheur pur pour moi de toucher à la cagnotte des islamistes depuis 2007, quoi. Voilà. Donc je veux vous dire par là, c'est que l'entrepreneuriat, c'est aussi un vecteur très intéressant et où les gens se rendent compte qu'effectivement, voilà, parce que je partage, madame qui est partie, je partage tout à fait le dégât sanitaire d'un certain nombre d'oubliés de la bonne bouffe. Du côté de Carcassonne, sur la ville de Grolet, par exemple, on a estimé grosso modo que les gamins de 6e à la 3e, 70% ont des problèmes de surpoids et malheureusement, on est obligé de trianguler des données qu'on ne devrait pas avoir. C'est que pour la plupart, ils sont issus des quartiers populaires qui sont à côté du collège, qui les accueillent. Ça veut dire qu'on sait que ce qu'ils mangent, en fait. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la santé environnementale ne dit pas encore suffisamment l'état du dégât. Parce qu'effectivement, il y a des discriminations. Quand on voit qu'il y a une carte de la paupérisation qui colle avec la carte de la malbouffe et qui colle avec la carte de la nécessité d'avoir un jardin, etc., on peut s'interroger de l'État et de l'État de l'État. Voilà. C'est bon. Bien, donc on va s'arrêter là. Merci à vous. Donc vous avez vu, vous étiez filmés. Nous étions filmés. Donc tout sera sur le site du RMT. On mettra aussi
donc les supports de communication, mais aussi les articles associés pour aller, voilà, on a chacun publié des articles pour aller un peu plus loin, pour voir un peu tout ce qui... Enfin, c'est vraiment l'occasion d'une première rencontre. Et on va donc conclure, enfin avoir une table ronde qui, en ouverture, qui va nous permettre aussi peut-être d'aller encore un peu plus loin et de voir justement les pistes pour continuer à travailler ensemble. Je vous remercie. 16h15.